Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Ocarina of Time. Ah, ça faisait longtemps quand même. Ah, on peut pas s'en empêcher, on peut pas s'en empêcher. Bon, comme promis, enfin promis, c'était pas vraiment une promesse, mais j'en avais parlé dans le stream précédent, et j'étais bien tenté de tenter, d'essayer la dite chose, qui était donc du coup la fameuse quête de la Triforce dans Ocarina of Time et Majora's Mask en même temps. Puis là, j'ai tout mis. Hein. Là j'ai tout mis. Donc, tout est lié. Absolument tous les objets sont liés entre Ocarina of Time et Majora's Mask. Donc, ça va être marrant. Donc, si je récupère un grappin, ce sera pour les deux. Enfin, en fin de compte. Donc, on va pas perdre de temps parce que... donc, apparemment, du coup, on aura des indices sur la marche à suivre. Donc, j'imagine qu'il faut parler aux pierres à potin pour cela. Ah, j'ai pas d'argent. Ah, j'ai pas d'argent. Je pensais qu'on avait de l'argent, je me souvenais plus. Bref, donc du coup, bon, c'est un randomizer classique quand même, mais... Le fameux Triforce % go la fontaine licorne. Ouais, non, mais là on est parti, On va y aller à fond. Bon, déjà, on a un petit objet sympathique, là, déjà. Kojiro. Et Rarely Crows. On n'oublie pas. Oh, j'espère qu'on aura des trucs assez sympathiques dès le début, là, quand même, histoire de montrer un peu des trucs sympas, genre le transfert d'objets, compagnie. Je me demande à quel point ça va aller beaucoup plus vite avec tous les objets liés, ou à quel point ça va être beaucoup plus long, finalement, puisqu'on aura peut-être moins de chance. Parce que voilà, comme je dis, l'Ocarina est lié, donc par exemple, bah, en fait, tout est lié, hein, finalement. Ah, ils disent que le chemin de la rivière Zora est sur le Pass of Wisdom. Donc, j'imagine que ça veut dire que je dois aller à la rivière Zora pour récupérer la Triforce de la Sagesse, donc. Très bien. Non, mais parce que bon, en même temps, je découvre aussi, finalement. Je ne sais rien. Ah, il y a un rubis. Bon, je crois que l'argent n'est pas lié. Peut-être les quarts de cœur le sont, je ne sais plus. Il y a les deux qui sont intéressants là. Bon, je vais acheter ça. Salut à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Ouais, attendez ça. Voilà. Le Swamp Token, bon, on en aura peut-être besoin, effectivement. Du coup. Ouais, on va l'acheter maintenant. Et... Ça dépend du pool, genre je sais pas s'il y a un total de par exemple 3 grappins. Bah j'avoue que je sais pas du tout combien il y en a de... Je sais pas du tout comment se passe le pool effectivement. Genre effectivement peut-être qu'il y a 3 grappins. Enfin il y a au moins 2 grappins, ça c'est sûr. Puisque bah du coup il y a le grappin progressif. Donc du coup Majora a le droit d'avoir un super grappin totalement nul du coup. Le pauvre. Du coup il est un peu triste Majora je pense. Là, c'est le moment où je dois dire que j'entends pas le son du jeu et que tout le monde dit que si, ils l'entendent. D'accord, ok, non. Ah non, mais justement, je me demandais si on entendait bien le son. Visiblement, pas trop. Donc, je vais augmenter un peu. Allez. N'hésite pas à me dire si c'est mieux. J'entends pas beaucoup. Bon, après, peut-être que depuis... Ça c'est un peu mieux là, ok. Non mais j'avoue que j'arrive pas trop à gérer le son sur émulateur. Pourtant là il est à 12. On entend pas beaucoup. Oh là 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 là, non mais... Enfin, je sais que ça c'était du... Là je vois des là ça va, mais c'est moyen. Chérie, mais il est à moins 12 le son. Ça veut dire que... Ouais, et je le mets à moins 9,5. Est-ce que c'est mieux? Et j'avoue que ça m'étonne, hein, vraiment, parce que... C'est vraiment que dans Ocarina of Time, en fait, finalement, que le son, je dois vraiment le mettre super élevé, finalement. Mais ça me choque, hein, ça me choque. Parce que, bah, d'habitude, quand je fais du streaming, c'est moins 18, au moins moins 18. Pas trop de changements, je trouve, purée, donc. Parce que là, moins 9, du coup. Là, ça passe. Il y en a qui disent pas trop de changements, il y en a qui disent c'est mieux. Et là, ils nous disent... Attendez, mais... Finalement, on va finir en 2 secondes, là, comment ça se passe?
En fait, on n'entend pas de différence, d'accord, ok. Bon, bah, je vais remonter un peu le son, enfin... Bah, mais je suis choqué, hein, vraiment, je suis choqué. Alors, moins 7 ? Alors, qu'en dites-vous, moins 7 ? En fait, c'est comme si tu faisais rien. Et pourtant, là, je suis passé de moins 7 à... Enfin, de... En fait, à la base, j'étais à moins 15. Je suis passé ensuite à moins 12. Ensuite, je suis passé à moins 10. Et ensuite, je suis passé à moins 7. Ah, une grande clé. Yes. Pourquoi c'est des valeurs négatives pour le son? Parce qu'en fait, je diminue le son, en fait. Oh, trop bien, une tunique blanche. Ah mais, non mais attendez. Alors, on est d'accord que là... Attendez, je vais vous remonter. Je vais vous remonter le son. On est d'accord que là... On est d'accord que là maintenant, le son il est beaucoup monté quand même. Là j'entends du son. Il est pas trop fort du coup? Là, on entend bien. Ah, là, c'est nickel. Non, mais attendez, mais c'est hallucinant, quand même. Ah, mais je suis à moins 5. Bref, du coup, pourquoi c'est des valeurs négatives? Parce que le son est diminué, justement. En fait, il n'est pas monté, il est diminué pour de manière, en fait, à ce que, justement, le son du jeu ne vous casse pas les oreilles par rapport au son de ma voix. Mais là, actuellement, c'est moi qui... C'est là, actuellement, normalement, du coup, c'était plutôt ma voix qui vous cassait les oreilles plutôt que le son du jeu, pour le coup. Bon, écoutez, si ça vous convient, tant mieux. Après tout, c'est pour vous le son, pas pour moi. Encore une grande clé, ok, d'accord, très bien. Bosky Forest, ok, cool. Nous prenons. Bah écoutez, voilà, si j'ai un quelconque moment où vous trouvez que le son est trop fort, n'hésitez pas à me le dire, je le baisserai à ce moment-là. Merci pour ta patience en tout cas. Mais non. Bah c'est pour vous, vos douces oreilles finalement. On peut changer la tunique de Link enfant. Bah après, pas dans tout effectivement, mais là j'ai activé une option qui permet de le faire. Je trouve que j'ai pas gardé le coup des bottes aussi qu'on pouvait modifier. J'aurais pu. Bref, salut à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Le Latios Latias de noir 2, blanc 2 est généré dès qu'il apparaît sur Overworld, on pille un peu reset avant de l'affronter. Je vais pas dire parce que je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il doit être généré au moment où tu le rencontres pour la première fois. En général, c'est comme ça. Mais bon, j'ai aucune certitude. Donc, ok, pourquoi je peux pas sortir mon... Voilà. Ouais, bah dis donc, bon, au final, là, au niveau objet, on commence pas mal. Je regarde le stream au lieu de faire mes devoirs, j'attends dimanche pour l'adrénaline. Non, mais il y a des gens qui travaillent mieux sur le coup pour les devoirs. Faut pas se sentir mal pour vis-à-vis de ça. Question au hasard, vous songeriez de vous refaire Noir 2, Blanc 2 en français? Ouais, on compte le refaire un jour. Ah oui, bah oui, j'imagine bien, oui, l'objet le plus important du jeu, effectivement, le masque Gerudo. Merci beaucoup Melvin pour l'abonnement. Enfin, un an d'abonnement à vos streams. Ah ouais, j'avoue, un an. Bravo, merci. Ah.
Attendez, mais en plus, le masque, il est... Ouais, bah attendez, quand même. Il est équipé, quand même. Genre, le truc le plus important du jeu, il est équipé sur le D-pad, quand même, s'il vous plaît. Hein. Ah, non, mais j'avoue que... J'avoue qu'effectivement, c'est de la plus haute importance, donc... Important qu'il soit sur le D-pad. Mais ouais, non, mais sachant que c'est même pas moi qui le contrôle, le D-pad. Hein. Là, c'est l'item. Mais oui, mais évidemment, genre... Imagine jouer sans masque. Il y a Kojiro qui devient complètement fou, il hurle dans le micro là, il est incroyable. C'est important, ça rappellera sa femme à Talon. Eh, j'avoue que c'est vrai que... C'est vrai que sur le coup, Malone, elle est rousse. Non, ça va. C'est vrai que Malone est rousse. Attends, mais c'est vrai que... Alors... Attendez, quoi? Oh! Ah, attendez, c'est un jeu d'énigmes, en fait. Genre, j'ai un objet important pour la Triforce du Courage ici, donc... Voilà! Ah, finalement, ça va être un jeu de piste, en fait. Si Malone était une Gerudo, elle aurait été envoyée chez les Gerudo dès son enfance. Non, mais Talon s'est opposé, évidemment. Et puis, en vérité, la mère de Malone est morte. Hein. Du coup, on ne sait pas, finalement. Hop. Bon, alors, je vais pas pouvoir tout faire dans le Lost Wood pour l'instant. En même temps, on est qu'au début du jeu, donc forcément. L'ami qui lit les indices. Bah ouais, mais vu que c'est le but, un petit peu, de la chasse à la Triforce, je me dis que là, il faut quand même, il faut jouer le jeu de piste jusqu'au bout, finalement. C'est... Ouais, vas-y. Le rubis qui permet de faire la Triforce. Mince, bah ouais, voilà, j'ai pas lu. Bon, ok, j'ai acheté de l'argent, c'est bien. Il a des motifs qui ressemblent à ceux des Gerudo sur sa robe. Mais j'avoue que j'avais jamais entendu de théorie qui parle du fait que Malone serait peut-être potentiellement une Gerudo, donc j'avoue que... Bon, allez, ça peut être fun. Elle n'a pas la peau foncée aussi. Mais non, mais c'est les gènes de Talon, ils sont trop forts, c'est tout. Tac, quoi, c'est bon. Ok. Je suis incroyablement choqué quand même. Mais t'inquiète, Linktest, t'inquiète. C'est vraiment pour le jeu, là. Putain, attends, il y a un truc que j'ai pas regardé sur le stream. Non, c'est bon. Voilà, ouais. Je voulais vérifier si j'avais pas... S'il n'y avait pas de souris sur l'écran, ce qui aurait été un petit peu dommage. Parce qu'après, on m'aurait dit souris, et puis j'aurais souri devant mon PC, et après on m'aurait dit, mais non, c'est pas ça. Bon, j'avoue que là, je vous raconte une anecdote vieille de, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 7-8 ans, ouais, un truc comme ça. Et encore peut-être même 9. Je vais me donner envie de faire un rando de beauté. Non mais vas-y. Fais-toi plaisir, Linktest. Si on m'avait parlé de la théorie Malone égale Gerudo, j'aurais pas détesté Malone quand j'étais petite. Quel gâchis! Ah, mais comment peux-tu détester Malone alors qu'elle est trop stylée, Malone? Elle boit des potions rouges, elle élève des chevaux, elle a des cocottes. Mais j'avoue que on peut pas détester Malone. Elle est trop bien, Malone. Non, moi j'avoue que j'ai toujours été Team Malone. Non, mais moi, enfant, j'étais Team Malone. En vrai, j'avoue que le chip support Zelda X-Link, là, j'avoue que j'étais pas un fervent supporter, finalement.
Moi j'étais plutôt team ouais, non, mais Link Zelda, c'est pas parce qu'ils ont échangé trois mots ensemble. Bon, tu me diras, l'argument marche également pour Malone, hein, ils ont échangé trois mots ensemble, mais bon, c'est pas grave. Bah, mais Malone elle est stylée. En théorie, Malone Gerudo, je la trouve ultra crédible, le seul contre-argument qu'il y aurait, c'est la forme des oreilles. Bah, moi, je pourrais dire que vraiment, Talon, il a des gènes très très forts et il surpasse tout, quoi. Après, ouais, je vois des gens Team Saria, bah Team Saria, je comprends, mais... Saria, elle est sympa. Mais Malone est stylé, Désolé, je rejoins du coup l'équipe de Majora là, team Crémia versus team Anju. Bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais non, mais Link, s'il te plaît. Voilà, tout ça pour ça. Team Seria jusqu'à ce qu'on apprenne qu'elle grandit pas. Ouais, non, mais c'est vrai que ça, par contre, effectivement, c'est la partie un petit peu compliquée, tu vois, de Saria, qu'elle grandisse pas, contrairement à Link. Si on en croit Twilight Princess, Link aurait plutôt choisi Malone, et il a bien raison. Ah ouais, non, mais les gens, par contre, c'est vrai que... Ok. Ah, il y a quand même des indices comme ça, là. Ok. Bah j'avoue que ça c'est vrai que c'était une théorie aussi, enfin pas une théorie, enfin ouais si, on n'a qu'à dire une théorie populaire que Link il finisse avec Malone dans Ocarina of Time parce que dans Twilight Princess Link devient berger. Ouais pff, ok d'accord, j'ai acheté un bouclier pour rien. Après bah pff. En vérité j'avoue que... J'avoue que c'est assez amusant de constater que finalement Malone n'a aucune apparition dans Twilight Princess. Enfin, quand je dis Malone, je parle pas spécialement de Malone, mais de l'incarnation, si je peux dire, de Malone. Genre Marine, Malone. Y a pas de ranch. Enfin, si, y a un ranch, mais. Bah, il est loin finalement. Enfin, y a pas de ranch London, quoi. Je crois que d'ailleurs là, ça y est, ils ont ajouté le Free Scarecrow là, enfin. Maintenant Link Berger qui fait des suplexes aux chèvres. Non mais c'est pour ça, Link de Twilight Princess, c'est vrai qu'il est incroyable quand même. La référence H24 alors que Saria non. Ouais non mais... Après Saria... Non mais après Malone, de toute façon c'est un peu le chouchou de certains développeurs finalement. Car Marlone ce n'est pas très joli, puis il y en a déjà Impar. Ah non mais Impar, incroyable. Oh mais c'est vrai que Twilight Princess finalement c'était un jeu avec pas mal de théories. Je sais pas à quel point il y a encore beaucoup de théories sur... Ah mince. J'étais un peu trop gourmand là. Bon bah voilà, il va falloir attendre qu'ils viennent donc du coup ça va être bien. Moi je suis Team Link X Impa. On va être bête que c'est pas la Impa d'Ocarina of Time. Non, la Impa de Zelda 1. Ah ok. Excusez-nous, Melvin, vous êtes notre maître à tous. La Twilight Princess. Non, la Impa de The Legend of Zelda 1 est bien meilleure. Impa de Breath of the Wild, évidemment. Ah, c'est vrai que... Ah, finalement, j'avoue que Impa de Breath of the Wild, elle bat peut-être, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi tu viens ici? Parce que... Attendez. Oui, on va aller dans Great Deku Tree, mais attendez. Mais lui, il me paraît tout petit, là, c'est pas... Mais c'est pas lui! Oh non, il est minuscule, c'est pas lui! Oh là là, il se passe des trucs.
Théma, ça me semble ultra crédible qu'elle soit une Gerudo. Mais il y avait une théorie, effectivement, il y avait une théorie populaire qui parlait du fait que Thelma était une Gerudo dans Twilight Princess aussi. Hein. T'as juge la taille, bah oui, mais non, mais je suis choqué là, arrêtez, je suis choqué, c'est pas lui. Non mais il est minuscule, arrêtez. Non mais j'y crois pas, c'est pas le poisson. Je vais le pêcher, vas-y, mais... Parce que de toute façon, il se passe rien. Mais y'a lui, là, là, il danse autour, là. Ben non, c'est lui. C'est lui, là. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Mais où est-ce qu'il va, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tant mais, lui, il est mille fois plus gros que... Mais il est minuscule, arrêtez. Mais... Alors déjà vu la facilité à laquelle on... Oui, mais il fait 5 pounds. Évidemment que c'est pas lui. Non mais le poisson il est parti, hein. C'est bon. Bon, c'est pas grave, on va aller pêcher l'autre là-bas là. Ah c'est bon. Oh, je me suis fait trouver par l'autre poisson. Bon bah ouh. Non mais ok, pas de pêche donc on a dit hein. Bah mais la pêche, à quoi bon pêcher en fait finalement. Ah mais lui il est trop bizarre par contre. C'est qui lui, genre vraiment là. Yeah, il a beaucoup plus gros. 8 pounds. Ah mais c'est trop bizarre quand même. Bah d'habitude c'est normal, hein. Le poisson quand il a peur de toi il s'en va. Mais il revient assez vite quand même. Genre faut attendre un petit peu, genre 2 minutes j'ai envie de dire. Et là... Mais lui aussi il est trop bizarre. Hein. Bon, ça suffit. Mais je sais pas qui c'est lui, hein. Franchement, je sais pas qui c'est. Ce poisson, il est trop bizarre, je ne sais pas qui c'est. Enfin, il s'est pas présenté aussi en même temps. Il aurait dû. La réaction de Talon au masque Gerudo, j'avoue que je me souviens pas, il a une réaction particulière Talon au masque. Ah! DMC sur le chaîne de la force. Il dit la même chose pour le masque Gerudo et le masque Goron, ça me rappelle ma femme. Ah, il est pas sûr Talon. Allez hop. Bon par contre pour le moment faudrait m'annoncer des trucs à faire dans Majora aussi. Non j'ai pas de sac de bon donc ce serait du gâchis. Là par contre on peut. Ouais. Il a pas de photo d'elle chez lui, il doit...
Normal qu'il ait du mal à s'en souvenir. Ouais, peut-être, peut-être. Donc Malone est peut-être une Goron. Ouais, peut-être. Moitié Goron, moitié... Moitié I. Bon bah voilà, on peut attendre tranquillement. La pêche traditionnelle, c'est long et ennuyeux, autant balancer des bombes comme ça, tu seras sûr d'avoir le poisson que tu veux. Imagine, ils randomisent les poissons. Eh, mais j'avoue que ça... Non, ça va, parce que... Il n'y a personne qui aime la pêche dans la communauté d'Ocarina of Time, donc... Moitié Goron, moitié garde, moitié Talon. Après ce stream, je retiendrai que Malone a du sang de tous les côtés. Non, mais c'est pour ça que Malone, c'est la plus stylée. Elle fait tout. Bah, de toute façon, elle t'amène une vache chez toi, donc automatiquement, elle l'a transportée et tout. Ok. Bon, j'avoue que j'aurais pu aller voir du côté de Malone, justement, en attendant. Voilà, je crois qu'il y a un truc, du coup, ici, qui pourrait m'être utile. Hop. Alors, quoi de beau? Des flèches. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Soit c'est un rando, oui, c'est un rando. Notre but aujourd'hui étant de trouver les trois morceaux de la Triforce. Donc concrètement, ça va, on n'a pas besoin de faire des donjons, des trucs comme ça. Enfin, on pourrait être amené à en faire, bien sûr. Mais... Oh, oh purée, déjà! Oui, parce que j'ai mis la Skeleton Key! Ah mais d'accord, ok! Ah oui, d'accord, comme ça. Le gars, il te vend en fait, la Skeleton Key, du coup. C'est une nouvelle clé qu'ils ont rajoutée qui permet d'ouvrir toutes les portes. Absolument toutes les portes. Je peux ouvrir toutes les portes. Il y avait des trousseaux de clés. Mais du coup, le gars, il te dit, tiens, prends la clé qui ouvre toutes les portes. D'accord, bon, bah, très bien. Non, mais ok. Oh, la scie de bébé, là. Incroyable. Ouais, je crois que du coup, effectivement, les quarts de cœur sont liés, hein, du coup. Il doit pas savoir ce que c'est, ouais, non, il s'est dit, ouais, j'ai une clé qui ouvre toutes les portes, mais... La Skeleton Key, comme dans Mario Party. Ah ouais, j'avoue. Far Winds. Ah, les deux sont intéressants, là. On va peut-être les prendre, vas-y. Voilà, si je dis pas de bêtises, du coup... Si je ne dis pas de bêtises, normalement Majora a aussi du coup la force, enfin la défense. Tout genre de OT de Majora, de chaque donjon des deux jeux. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais oui, non, mais voilà, là, littéralement, on peut entrer dans un donjon et c'est tranquille. Ouais. Je peux faire tous les donjons maintenant. Enfin, à partir du moment où j'ai les objets qui vont avec, bien sûr. Mais c'est trop OP. Ah ouais, non, mais... Non, mais j'ai tout activé, en fait. Je me suis dit, vas-y, vas-y, vas-y. Aujourd'hui, c'est la journée des folies. Je vais tout mettre, en fait. Et bon, alors, j'avoue que j'espérais l'obtenir au bout d'un moment. En mode, quand même, histoire de dire que on fait des trucs, mais... Mais peut-être pas au tout début, quand même, en fait. Parce qu'il y a quand même les trousseaux de clés aussi. Et du coup, bon, bah maintenant, les trousseaux de clés ne servent à rien. Il n'y en a plus du coup maintenant. Enfin, il y en a peut-être. En fait, je sais même pas si du coup. Je sais absolument pas ce qui va se passer du coup. Quand j'obtiendrai un trousseau de clés. Je sais pas si je vais obtenir 5 rubis ou si je vais quand même obtenir le trousseau de clés en mode. On va essayer de bien jouer.
Bon, j'imagine que du coup, ce qui était sur le chemin du courage, c'était soit le... C'était soit le trousseau de clés, soit les bombes. Peut-être les deux, même, en fait. C'est pas tout ça, mais on m'a promis du Majora aussi. Là, si tu attends quoi, je... Ah ouais, non, mais j'avoue que là... C'est quoi le trousseau de clés? Le trousseau de clés, ça me donne toutes les clés du... d'un endroit. Enfin, d'un donjon. Genre, par exemple, je peux gagner le trousseau de clés du temple de l'eau. Donc, du coup, j'ai toutes les clés du temple de l'eau. Bon, bah, vas-y, on prend, c'est bien, ça. Alors, Malone, un petit objet sympa à me donner, là. De l'amour, toujours Malone, elle donne de l'amour. Elle est vraiment bien, Malone. Bon, attendez, on va aller checker un peu là la suite des indices finalement. Alors, le chemin du pouvoir là. Ah non, c'était le chemin de la sagesse, pas du courage. Irulfield, ah, chemin du courage du coup. Irulfield, oui, ok, on a compris. Bon bah, ok, d'accord, deux, bon. Ok. Ah, peut-être les deux du coup. Que le mini-jeu des chests avec la clé, tu peux forcer pour aller à la fin, mais j'avoue. Bon, attendez, j'ai envie de checker un peu Termina là, vite fait. Parce que finalement, je sais pas trop ce que j'ai dans Termina en fait. Est-ce que j'ai une épée ou pas du coup? Ah non, j'ai pas d'épée. D'accord, bon bah j'ai gagné un keyring quand même. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai gagné un keyring, mais très bien. Bon, ok, donc j'ai pas l'épée. Je sais pas si l'épée Kokiri est liée. Ah bon, par contre, voilà, les bombes sont liées. Non, mais il y a toujours un petit sourire qui se dessine hein, quand je suis sur Majora. Hein, c'est... Non, mais c'est beau. J'espère que vous aussi, vous avez un jeu qui vous fait sourire. Au moins t'as pas un cœur. Déçu. Bon, c'est vrai qu'au moins j'ai pas encore les grandes clés. Donc. Le check du mojo. Ah ouais, peut-être, effectivement. Grande B, ok, très bien. Joli uptime. Ah ouais, bien joué. Bon, je vais pas rester dans Majora parce que, bon... Faites pas avoir d'épée et compagnie... Bah, c'est surtout le fait de ne pas avoir l'ocarina aussi qui est embêtant. Mais bon, c'était juste histoire de confirmer des choses. Puis bon, on a gagné le keyring de Shadow, donc... Il y a plein de jeux qui me font sourire. Ah bah, c'est cool. Bon, je vais quand même aller checker les magasins vite fait. Prendre un skeleton qui te donne des coffres piégés sur tous les coffres qui devaient contenir des clés. Ah oui, donc du coup, ah ouais, du coup, bon, aussi là par exemple, ça je peux le dire, mais le masque au Goron est lié aussi dans Majora et Ocarina. Bon, du coup, ça sert à rien parce qu'ils sont en vente ici, mais ok, très bien. Bon, bah lui il vend des flèches de glace. Il y a beaucoup de jeux qui m'enlèvent le sourire. Ah, ça c'est dommage par contre. Mais non! Attendez, quoi? Mais oui! Mais incroyable! Non mais attendez, par contre, je comprends absolument rien aux indices en fait. Non mais pourquoi je devrais faire des trucs finalement? Parce que... Quoi? Bon attendez, on va essayer de voir. Et tout est à 10 rubis, oui. C'est un marchand qui vend la triforce du courage, mais ça n'a aucun sens. Hein. Non mais il sait pas, faut pas lui en vouloir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bouclier mojo, bah vas-y, on va le prendre. Soyez pas dur avec ce pauvre.
Soyez pas dur avec ce pauvre monsieur là. On me fout de l'argent en fait quand même. Il a trouvé la réponse. Mais il connaît pas aussi, il vient pas d'Hyrule, il vient de Terminal, lui, il sait pas, il se dit ok, moi je vends en ce bout là, il brille, c'est joli, prenez-le quoi. Ouais, donc l'argent est bien lié, donc. Bon. On va chercher un petit peu d'argent. Je sais pas ce que vous en dites, on s'achète un petit morceau de Triforce, c'est sympathique. Écoutez, j'étais en train de poser la question en mode est-ce que ça va aller plus vite d'avoir les deux jeux liés comme ça? Ben, le jeu il a fait ouais, t'inquiète, en 30 minutes tu finis le jeu en fait. Moi je dis ouais, ok, d'accord, ok. Oh, mais c'est sympa. J'aime bien René moi donc. Pourquoi je fais ça d'ailleurs? Je pourrais aller chercher des rubis rouges? Non, je m'embête à faire ça alors que. Et j'ai pas de machin, j'ai rien. Non mais attendez, on va voir. On va voir si ça se trouve. Ça se trouve que ça suffit pas, il faut que je fasse autre chose. Non mais Majora est beaucoup trop efficace. Qu'on se le dise. Non mais attends, par contre je comprends vraiment pas le délire là. Pourquoi ils disent que c'est sur le chemin du courage du coup la Hyrule Field? Parce que ça sert à rien du coup. You got the three force of courage, this is your first. Merci beaucoup, bah. Merci à toi, à moins qu'il y ait... Moi qui ait un morceau de Triforce... Il y a plusieurs morceaux de Triforce du courage, peut-être. Et donc, du coup, il y en a une ici. Il y en a une à Hyrule Field et une à... Oh, écoutez, on va voir. J'avoue que j'ai pas tout compris, donc... De toute façon, je vais retourner dans Ocarina, là. On va aller au ranch long. Merci beaucoup, Yoti, pour l'abonnement. Il me faut de l'argent, du coup. 8 comme Wind Waker. Et j'avoue qu'ils m'ont pas demandé, en fait, justement, du coup. Hop, bon, très bien. Bon, attendez, avant d'aller là-bas, je vais me faire ça. Apparemment, il est censé y avoir un truc dans Hyrule Field aussi. Pour l'instant, j'ai rien eu. Ouais, c'est vrai, les sculptures sont peut-être importantes aussi. C'est qui à tonnerre? C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est tout. En fait, il n'y a pas d'autre réponse possible. À tonnerre, c'est le meilleur. Tonnerre, c'est celui qui gère la chaîne. Son sculpte, il adore pour avoir la Triforce du courage. Je
J'avoue que j'ai même des bombes chues finalement. C'est celui qui fait les meilleurs titres de live. Ah, et j'avoue ça. J'avoue en fait. On aurait demandé plus souvent à Tonnerre de participer pour les titres de stream. Des fois j'ai pas trop d'idées, je suis en mode vas-y, je sais pas comment j'appelle le stream. Finalement je devrais appeler à Tonnerre. Bon, ça sera souvent les mêmes noms je pense. Parce qu'à Tonnerre il aime bien répéter. Non mais arrêtez avec vos bombes là. Même nom certes, mais original. Non, c'est pas forcément les mêmes noms, bien que il ait tendance à beaucoup aimer les plus et les parenthèses. C'est vraiment son... C'est vraiment le délire d'Atonner, le plus et les parenthèses. Il aime bien. Vanilla, ouais, j'avoue, Vanilla, effectivement. Attends, mais Malone, qu'est-ce que tu fais là? Rêve du prochain titre de stream, plus, parenthèse, plus. De toute façon, j'avais pas de Ocarina, donc ça sert à rien. Bah du coup, si elle est là, ça veut dire que lui, il est là aussi. Non mais je veux porter elle, oui, merci. On a rien à faire. Ok. Si tu laisses un chat se promener sur un clavier indéfiniment, peut-il faire une phrase? Ah, ils sont pas très friands de phrases, nos chats, malheureusement. J'aurais aimé dire que oui, mais ça serait plutôt un non. Oh. Oh vas-y, je vais quand même y aller le jour pour commencer. Vous êtes en train de parler du talent de Schrödinger. Quoi? Non! Ah non, c'est bon, ok.
Attendez, du coup, c'est ouvert le chemin du péril? Remarque, je m'en fiche, puisque de toute façon, j'ai des bombes maintenant. Non, c'est pas ouvert. Okay. Je sais pas pourquoi Talon est réveillé, du coup. Enfin, il est réveillé, il est chez lui. Ok. Bon, petit moment d'attente. Faudra pas attendre trop longtemps, parce que sinon Dampé va dormir. Oh mince, on n'a pas été assez rapide. Dampé s'est endormi. Une frame trop tard, ouais, non. Ouais. Pas aisé, hein, pas aisé. Vous pouvez trop rire, attaquer ces sculptures-là à chaque fois sans épée. Ah ouais, non mais c'est toujours difficile, hein, le début d'Ocarina of Time. Ah, j'ai gagné une bouteille de lait long long, là. Ah, mais c'est vraiment une partie liée à Malone, finalement. Ouais, bon, très bien, merci. Nous prenons, nous prenons. La frime ou l'épée, bah c'est souvent plus la frime que l'épée, mais c'est souvent pas par choix en fait. Ouais, je vais aller voir Dampé, voir s'il dort là. Parce que... on sait jamais avec lui là. Ouf, ouais, ça va, on a quand même réussi à rentrer à temps. Ah, c'était chaud, mais on a réussi. Alors, je crois que lui, il prend pas partout. Yes! Humidité à tromperie. Allez, pour le fun, on va quand même checker vite fait ce qu'il y a ici. Ah, est-ce que tu l'as? Ok. Oh, qu'on en est qu'à 5. Hein. Non, 7, ok. Ah, trop bien, un trousseau de clés. Mais ça ne sert à rien.
pas full village Cocorico aujourd'hui. Bon, du coup, il est censé y avoir un objet important ici, du coup, pour... Ah, ici. Bah, en fait, dans les deux endroits, en fait, finalement. Ça doit être le quart de cœur, évidemment, l'objet important. Bon, alors. Ouais. Ouais, non, mais je suis désolé, hein, mais c'est pas contre toi, mais... Disons que... 51 minutes, et en 51 minutes, on a fait un tiers du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça va, on est pas mal. Petit machin qui va signer en 3 heures, là, on est bien, on est bien. On est trop fort Ocarina of Time et Majora, c'est tout. Surtout Majora, là. Oh là là, non, mais j'ai un skill de fou sur Majora, mais... On s'en remettra jamais, je pense. Le vendeur d'haricots est randomisé, ouais. Mais on peut aussi décider de pas le faire. T'as 6 de OT XMM le plus rapide. Ah non, mais là, je pense qu'on pourra pas faire plus rapide que celle-ci, je pense. Là, on est sur un beau PB, je pense. Et en fait, on est sur le PB que je ne pourrais jamais battre, en fait. Ok. Ça pour Link adulte, donc, du coup, l'objet intéressant. Donc, ce soit une sculpture là, c'est possible aussi. Mais d'un côté, après, de toute façon, je comprends rien à leur système d'indices là, parce que. Ils me sortent que j'ai besoin d'aller à des endroits pour la Triforce du Courage. Mais... J'ai même pas le temps de cligner des yeux que t'auras déjà fini la cible. Ça c'est la fameuse babysit, ça c'est une fameuse babysit qui finit mal. Non mais il y a des fortes chances qu'elle finisse mal. Hein. Là j'avoue que... Oh, peut-être que finalement... Ah, on a été mauvaise langue là, peut-être. Oui, d'accord, ok, oui. Ok. Mais attendez, ah non, attendez. Attendez, il y a moyen que ça soit... Il y a moyen que ça fasse quelque chose en fait. Il y a moyen que ça fasse quelque chose. Si ça fait vraiment quelque chose, c'est méga cool. Je ne finirai pas cette phrase. Mais j'en ai très envie, mais je ne le ferai pas. Mais... Bah, en vérité, même si ça se finit mal, en vérité... Ouais, bah après, ça deviendra juste un jeu de piste, quoi. Le pire truc qui puisse m'arriver, là, vraiment, c'est que ça devienne juste un jeu de piste pour aller chercher des jetons de Sculptulador. Et des petites fées. Mais attendez, là il y a moyen que ce que je viens de ramasser, ça soit utile dans le théâtre sylvestre pour gagner un autre objet. Attention, là on est sur quelque chose d'intéressant. Je vais juste aller chercher le qui parle du fait qu'il y a peut-être besoin d'un truc à Hyrule Field. Mais d'un côté, même c'est pour le masque, pour la Triforce du Courage en fait. Bon, je vais quand même aller faire ça. Ah, il fait nuit, c'est dommage. En même temps qu'il y a l'idée de streamer à partir de 21h aussi. Théâtre Mojo qui va te donner une Triforce, non mais... C'est possible. Ok, il rappe un très bien. Il n'y a pas d'épée. Ouais non, il n'y a pas d'épée. Mais ça sert à rien les épées dans Zelda, faut le savoir. En vérité, même pour Majora, j'en ai pas besoin d'épée, hein, parce que...
Ouais, il y avait des trucs pas mal aussi à DQ Tree là aussi. Puisqu'on a gagné à Master Sword, donc peut-être que je continue DQ Tree aussi. Puis histoire d'être poli, histoire de dire qu'on a fait un, on a fait un donjon. Ah ouais, mais non! Parce que les boss sont randomisés toujours là, donc du coup, il y a moyen que je me retrouve contre un boss de Majora et puis même d'Ocarina. Ouais, non, si. Ouais, non, Ocarina là, je peux pas battre grand chose. Je peux battre Dodongo, je peux battre Phantom Ganon, et encore. J'ai pas vraiment beaucoup de trucs en fait. On va éviter, on va peut-être éviter d'aller à... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille voir là aussi. Enfin, je peux aller voir les Gorons. Sachant qu'il me disait d'aller au cratère du péril, je crois. Donc faudrait que je devienne adulte. Ou que, en soi, non, pas forcément, en fait. Était au bosquet sacré? Non, pas encore. Attends, merde. Je fais des bêtises. Alors, un objet intéressant, là, du coup, qui nous permettrait... Ah, ok, ok, ok. Ça marche, ça marche. Les boss dont tu es dans la capacité de battre pour l'instant... Ah, mais c'est vrai. Ah, mais non. Bah, tous les boss de Majora actuellement. Faudrait que je retourne dans Majora acheter le masque Gohan et le masque Zora en fait. Parce que. Bah, sinon il peut pas se battre le pauvre. En fait, ouais, je peux battre aucun boss de Majora actuellement. De toute façon... Et pour Ocarina, bah, je peux battre... En vrai, je peux juste battre Goma, Dodongo, Phantom Ganon. Et pour Phantom Ganon, il faudrait que je récupère des... faudrait que je trouve des... comment ça s'appelle? D'ailleurs, je vais commencer à utiliser plutôt des bombes chues, là. Il faudrait que je me trouve des... Il faut que je retrouve des graines mojo aussi. Ah la malchance. Bon, tant pis. Tu peux battre Bongo Bongo. Je peux battre Bongo Bongo, effectivement. Aussi. En vérité, ça va, il n'y a pas tant de boss que je ne peux pas battre. Enfin non, je veux dire, il y a déjà pas mal de boss que je peux battre plutôt. Parce que non, il y en a beaucoup que je peux pas battre, mais... Bah, là, je peux pas... Ouais, je peux pas battre Barina, je peux pas battre Volcania, je peux pas battre Morpha. Ah, ouais, non, si je pourrais battre Morpha... Ok, je pourrais battre Morpha, mais seulement quand je serai Link adulte. Du coup, je pense. Mais non, de toute façon, Goma me téléportera pas à Morpha. Je peux pas battre Winrova. Ouais. Ok, ok. Non, non, en fait, on va aller. Imagine avoir une épée. Non mais il y a qu'un seul Link qui peut avoir une épée et c'est Link adulte. Hein. Mais pour avoir Link adulte, il me faut... Ah mais j'ai déjà... Au moins j'ai déjà l'Ocarina, donc c'est cool.
coup, faudrait juste que je trouve le champ du temps et on est bon. Ah, dommage. Ah mais j'avoue, je peux rentrer dans la caverne de Dongo aussi en fait. Oh putain, il y a vraiment plein de trucs que je peux faire en fait. Alors, j'avoue que dans l'idéal, j'aimerais ne pas rentrer dans la caverne de Dongo pour le moment. Alors, je préfère vraiment y rentrer en adulte. C'est... Ah, je le ferai vraiment si je suis bloqué là en fait. La vraie question maintenant, ça va être de savoir est-ce que je vais avoir la berceuse de Zelda avant de finir le jeu ou pas. Les paris sont lancés. Ah mais j'avoue, c'est trop bien que j'ai... cœur là finalement. Non, non, c'est tant d'options les cœurs il semblerait. Okay. Bon c'est pas grave, je vais acheter à l'autre machin là. C'est pas gentil, ouais pardon. Je vais acheter à la peste marchande. Eh mais j'avoue, je parle pas à ces trucs là en fait. Yes, nice. J'ai parié 5-4 points de chaîne sur pas de verseuse. Bon, allez. Ouais, bon, allez, vas-y. Prends un gold sculpture à token. On prend. Ah, d'accord. Ah, je vais dire. Par contre, normalement, t'es censé me donner un truc quand même. Prédiction, du coup. Bah, le problème, c'est que. On n'a pas non plus la certitude que je finisse aujourd'hui, quoi. Remarque en fait je peux quand même la lancer la prédiction. Je vais aller sur le pont et je vous lance une prédiction. De toute façon. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que. Parce que je vais attendre donc. Donc j'ai le temps d'écrire. Et puis au pire, si jamais j'arrête le stream avant, bah, je pourrais toujours annuler la prédiction. Tout va bien. Je me dis que c'est une sculpture d'or qui la donnera. Oh.
Non, parce qu'en vérité, franchement, j'avoue que j'ai vraiment très très envie de voir ce que ça va donner. Le mini-jeu, effectivement, là. Genre, est-ce que je vais pouvoir tricher? Alors. Ok, allez. Voilà, petite prédiction pour vous. J'espère que ça avance bien. Bah franchement, franchement ça va. Là j'attends tranquillement de. J'attends tranquillement la fin. Enfin la journée. Pour pour aller checker vite fait, pour aller tester un truc. Et puis regarder le magasin, parce que les magasins c'est God tier, donc. Ah, c'est plutôt équilibré, hein. Vous êtes en mode, il y en aura, là c'est plus, il y en aura une, hein, berceuse. Allez, j'espère que. En plus, il y a pas mal de mises là. Allez, j'espère que ça. J'espère que ça. Ça sera validé. Qu'on la trouvera ou qu'on finisse le jeu aujourd'hui, donc. Non, mais j'arrête pas tant que j'ai pas fini, en fait. Ok. Hop. On y va. C'est parti. Bon, attendez, on va prendre Kiki, cachou. Elle vient là, ma petite noix de cachou, là. C'est parti, hein. Stream 72 heures de suite, allez, là. Ah, oh, furie, j'avoue que... Ah bah, ça aurait pu, hein, finalement. Attendez, je crois que j'ai mis un autre truc aussi, trop bien, attendez. Ah oui! Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah, je crois que là, le bow, il compte pour les deux, même si... Ah bah vas-y. J'aime bien arnaquer des gens, moi. Bon. Bah, j'ai plus rien à faire, là. Attendez, donc normalement... Vraiment, c'est censé marcher. Hein. Ah non, ça marche pas. Ah, je croyais que ça marchait. Ah, ça marche que peut-être que avec le. Attendez, j'ai envie d'aller checker. Là, parce que... Attendez, je check un truc. Il me semblait qu'on pouvait. Transformer, enfin basculer entre les deux, mais j'ai pas activé en fait. Ou alors j'ai inventé le truc qui est, que ce truc existait et en fait il n'existe pas. Samsung, Karina. Quoique je l'ai complètement inventé en fait.
Ouais, je crois que j'ai complètement inventé un truc, genre, c'est bien. Bon, très bien. Du coup. Ouais, faudrait que j'aille dans Majora quand même. Il dit pas de bêtises, je crois que ça ne marche pas dans Castle Town parce que les zones changent trop. Ah! Bah en fait, je la vois pas l'option. Ah mince, c'est fermé. On va voir là, ça marche ici. Salut contrôle, bienvenue. Ouais bon clairement ça ne marche pas. Bon j'espère que vous aimez bien le... Bah je re-recheck mais... Ah, je pense vraiment que j'ai. Ce que je suis en train de regarder, là, je pense vraiment que j'ai inventé un truc. Hein, genre. Bon, allez. Peut-être activer le fait qu'il faille l'ocarina du temps. Bah, j'essaie de regarder, mais je suis persuadé d'avoir vu un truc comme ça, mais. Après j'ai peut-être validé l'ocarina du temps, effectivement. Mais je vois même plus où elle est cette option en fait. Donc c'est pour ça que je suis en train de me dire, mais en fait j'ai inventé un truc complètement en fait, genre. Ah bah si voilà, je l'ai là. Non mais si apparemment il y a bien un truc. Ah il faut d'abord avoir été dans le temple du temps en étant adulte et enfant en fait. D'accord, ok. Donc attendez, là normalement c'est censé marcher maintenant. Ah mais attendez, j'ai oublié de faire le truc. Bon, là, normalement, j'ai été dans le temple du temps en étant adulte et enfant, donc. Yes. On va voir, est-ce que ça marche? Bon, je l'ai réussi à la retrouver, l'option, et elle est bien cochée comme étant toujours. Ah bah voilà, become a child, voilà, c'est bon. Incroyablement stylé comme fonctionnalité, hein, quand même. Bon du coup fallait que je teste le mini-jeu là. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ah ça marche pas hein. Ah ça marche pas. Ah ça ne fonctionne pas. Ah croyez en ma chance, allez-y. Déjà perdu. Dommage.
Ça serait sympa qu'une option existe, permet de retenir enfant en buvant une potion rouge. Ruby vert, c'est un peu une victoire, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, me voilà fort embêté puisque je ne. Mais attendez, du coup. Je fais, je peux faire plein de dingueries là en fait. Parce que, genre là par exemple. Si je me mets ici. Et que je fais. Chant du temps. Ah, mais oui, mais attendez, mais oui, mais c'est trop bien en fait. Mais oui, mais c'est trop. Ah, ben ok, d'accord, déjà. D'accord, très bien. Bon, bah voilà, vous avez gagné. Très bien. Bon, bah c'était. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Très bien, hein, bravo à tous ceux qui ont gagné. Attendez, mais ça veut dire que je peux devenir adulte où je veux, quand je veux, si je veux, en fait. Attendez, est-ce que ça marche dans les donjons? Parce que si c'est, ça marche dans les donjons, c'est trop stylé. Go arbre mojo en adulte, mais carrément. Si c'est pris en compte dans la logique, bah non, mais là, j'avoue que je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas du tout. Bon, alors, voyons. Voyons. Du coup, hop. Ouais, de toute façon, Link Enfant, il sert plus à rien maintenant, en fait. Si c'est le cas, si ça marche, Link Enfant, il sert plus à rien. Mais oui, ça marche, mais c'est incroyable. Remarque que je fais ça, mais j'ai pas fait les étages d'en haut, en fait. Donc vers Jabu en adulte. Peut-être. Je sais pas si j'ai mis le boomerang avec Link adulte. Non mais en vérité, il y a vraiment. Enfin, c'est vrai que là, il y a. J'ai vraiment plus d'intérêt de rester Link enfant parce que Link enfant, bah, il se déplace plus lentement en fait. Du coup, bah, il me sera utile Link enfant quand je devrais faire des trucs spécifiques à Link enfant finalement, mais. Que Link adulte peut porter le masque du lapin, il peut. Il peut, donc oui, il peut tout faire, Link adulte. Non mais on peut même aller se faire le temple de la forêt là, du coup, moi je me dis je vais y aller. Hein. Un petit speedrun là sympathique, voilà, on va enchaîner les donjons, ça va être bien parce qu'en plus j'ai récupéré peut-être la clé de boss d'ici, donc enfin du temple de la forêt. Donnez-moi genre juste un truc là qui me permet de donnez-moi la Sun Song et après on en parle plus, hein, on est content comme ça je peux retourner vite fait dans Majora acheter un. Ah bah oui, ah oui, bah voilà, là j'ai besoin de Link enfant.
Et donc Link adulte peut-il aller voir Zelda? Bah, officiellement rien ne l'empêche d'aller voir Zelda en tant que Link adulte parce que c'est sur une carte particulière Zelda, donc normalement je pourrais changer de personnage dans la salle de Zelda et donc parler avec Link adulte avec Zelda normalement, enfin, sauf s'ils ont retiré cette possibilité. Je me dis qu'il n'y a pas de raison. Regardez là, si c'est un objet intéressant, je redeviens Link adulte. Non, c'est la potion rouge pour devenir enfant, donc je n'en ai pas besoin. Ouais, test à faire, c'est peut-on devenir adulte enfant pendant le combat de boss? Bah, je pense qu'on peut, mais ça sert à rien parce que vu que la carte se recharge, bah finalement, le boss, bah du coup, il va récupérer tous ses points de vie. Donc c'est pas spécialement utile. Mais après, je pense que le jeu pense... Ouais, si j'allais dire, le jeu pense pas forcément à ça, puisque... Une question à HS au début du stream, c'est bon, j'ai eu ma confirmation. Et bah super du coup. Prédiction pour le boss. Ah, vous voulez des prédictions, vin de gourmand. Ok. Allez. Alors... Allez, bon, je vous mets qu'une minute, hein, parce qu'on est devant la porte, donc voilà. Voilà, vous avez votre petite prédiction, vous avez une minute pour voter de quel type de boss il va s'agir. Serait-ce un boss de Ocarina of Time ou un boss... de Ocarina of Time adulte ou un boss de Majora's Mask enfant ou un boss de Majora's Mask adulte. Bon, je rigole, mais... Ah, vous misez plus sur un boss de Link adulte. Un boss de Link adulte, franchement... J'avoue que avec cette fonctionnalité de la Song of Time, je me demande si elle est comprise dans la logique et dans ce cas-là, absolument tous les boss peuvent apparaître, en fait. Si c'est le cas. Je sais pas si c'est le cas, mais... Ah mais c'est bon, je n'avais point vu du coup que c'était bon. Ah ouais, bah évidemment. Là. Bon ok, tous les boss peuvent apparaître, c'est dans la logique du coup là. C'est dans la logique. Très bien. Oh mais c'est bien du coup. Franchement vraiment bien fait. Hein. Donc mon boss de Link adulte, bah voilà. Bien joué à... À ceux qui l'ont emporté. Oh, faudrait que je redevienne enfant pour faire le memory game. Je vais pas faire Volcania en 23 secondes. Ah, mais j'ai pas le problème à faire Volcania en 23 secondes.
ce qui m'embête là plutôt, c'est le fait que je n'ai pas accès à un marteau pour l'abattre. Là, ça me fait penser à un truc aussi que je fais pas à chaque fois dans les randos de ODXMM, c'est d'aller voir Squid Kid au début là, parce que chaque fois j'y vais à la fin. Mais... C'est très bien avoir un objet sympa puisque tout ce que j'ai besoin c'est de la magie. Oh, remarque, oui, en fait. Hop. Ah mais j'avoue, je peux même aller chez les rois en fait. Pensez que Dami va avoir de la magie. En fait j'avoue, je sais pas ce que le kit si ça marche avec. Avec le grappin en fait. Ok, et très bien, non mais très bien, non mais, ah ouais non mais un long fleuve tranquille on a dit, un long fleuve tranquille, bah non mais ça me va, hein. Moi je valide. Ouais j'ai même pas été là en fait encore. Ouais, il n'y a qu'un seul check. Parce que sinon, c'est un peu trop long. Faudrait Soaring maintenant, en fait. Pour basculer entre Majora et Ocarina vite et... Et Clémopomme. Il me faudrait le champ de l'envol pour que je puisse aller dans Majora rapidement. Remarque, je dis ça, mais... C'est pas comme si j'avais d'épée Kokiri pour le moment, malheureusement. Oui, le champ d'envol marche dans Ocarina of Time et les champs de téléportation fonctionnaient aussi dans Majora. Et ben profites-en bien, ESPlay Studio. Discord a décidé d'être gentil avec toi, profite. Hop. Si, ça rajoute le fait que tu peux... Je vois mal. Tu peux utiliser des émotes de Twitch partout sur Discord. Alors ce début de seed... Ah bah début de seed très très bien, hein, franchement. Franchement, on est bien là. Non, mais ces options là sont vraiment pas mal. Hein. J'aime bien. Même pour un rondo classique, finalement, je vais peut-être rester sur ça. Hein,
Bah le coup des trucs partagés et tout, je trouve que c'est sympa. Il a la berceuse, ce qui est un miracle en soi. Bon, après, faut pas abuser non plus, j'ai pas d'épée. Hein. Avec Link, Link enfant. Ça aurait été vraiment un miracle si j'avais une épée, mais... Oh. Bon, c'est dommage, on n'a pas les overboots. Non, mais ce grappin, il sert tellement à rien aussi. Genre, c'est hallucinant, hein. J'arrive après des prédictions. Bah j'ai besoin de l'épée Kokiri je crois parce qu'elle appartient aussi à Majora's Mask. Donc je serais obligé de la trouver je pense parce que genre il y a 3 checks je pense pour l'épée Kokiri donc... Bah, il me semble qu'elle est partagée entre les deux jeux. Mais sinon oui, j'ai pas besoin du tout de l'épée Kokiri en tant que dans Ocarina of Time, j'en ai pas du tout besoin. C'était qui le boss dans le Deku Tree? C'était Volcania. Donc imbattable. Trop forte, please nerf. Imagine, tu peux stun Arina dans enfant, puis switch en Link adulte. Ouais, je pense vraiment pas, parce que vu que ça fait un chargement, je pense vraiment que ça recharge la carte totalement. Donc l'état du boss rechange, je pense. Je sais pas pourquoi j'attaque ça alors. Je ne suis pas très très sympa. Ah mais c'est vrai que j'ai même l'arc en fait. Marc. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai pas le... Bon peut-être qu'il va être là, qui sait. Petit overboots là s'il vous plaît. Bon pas ici hein, parce que là je pourrais pas les ramasser ici. Donc je suis venu, j'aurais peut-être pas dû en fait. Vas-y, je vais juste faire le coin ici, et puis je reviendrai avec l'overboots parce que c'est trop pénible sans l'overboots. Violence envers Baba Mojo. Ouais, non mais là clairement, j'avoue que. Non mais j'avoue tout. Ou alors. Ah mais j'ai même pas de magie en fait. J'allais me dire au pire. Alors c'est un coffre normal. Ah. Ah bah oui, mais du coup en fait je peux pas avancer plus loin en fait. Mais il y a peut-être moyen qu'on l'atteigne quand même. Ouais c'est bon, mais avec le petit coffre ça marche. Ok, ok. Si le Volcania est le boss du Deku Tree, comment le donjon ne brûle pas? Ah bah c'est une grande question à laquelle malheureusement je ne peux pas répondre.
Attends, au pire, ce que je fais, c'est que je fais vite fait, effectivement. Je fonce en ligne droite, et puis... Un jour, les trucs à ouvrir, et puis... Je reviendrai avec les potes. D'ici là, on aura le menu et des bois, évidemment. En vérité, ça va, c'est pas si pénible d'accès, donc... Quand même provoque des brûleurs d'estomac à l'arbre mojo. Ah j'avoue, finalement c'est ça hein. C'est pour ça qu'il a aussi mal. Il a juste pris de la fire resistance. Ouais ça doit être ça. Ah des anti-inflammatoires finalement. Ah mais il est malin l'arbre mojo, il est malin. Justement il savait. Il y a des trucs ici, hein. Vraiment, il y a des trucs. Ah, j'allais dire, j'aurais dû lancer une... Eh ben, figurez-vous qu'on n'a pas eu de tunique rose aujourd'hui. Incroyable. C'est que des tuniques un peu blanches. Pas très original, hein, les tuniques d'aujourd'hui, j'avoue que c'est un petit peu décevant. Enfin, d'un point de vue... couleurs finalement, enfin on les a pas souvent ces couleurs, mais on n'est pas obligé d'avoir trois fois la même couleur en même temps quoi, si on respecte même plus les traditions. Ah j'avoue que là oh. Je vois pas que non, la barre de magie est pas colorée, j'ai même pas fait attention de quelle couleur il était, ligne de Majora. C'est vrai que j'aurais peut-être dû... Ouais, en pièce pas. J'essaie vraiment de réfléchir à ce que je pourrais faire en fait. Parce que certes je peux finir ce donjon, mais... Le problème c'est que j'ai toujours pas été chercher d'armes pour Majora, donc... Oh merci beaucoup d'avoir pour l'abonnement offert. Ouais, merci beaucoup encore une fois pour l'abonnement offert.
On parle de Vokalien dans l'arbre Mojo, mais ce mécanisme pour faire pivoter les salles dans le temple de la forêt, vous l'expliquez comment? Ce temple est-il un Rubik's Cube? Pourquoi le couloir se tord? Elles sont là les vraies questions. Non, mais... c'est comme ça. Bah, j'avoue que... Ah, il devrait... Ah non, si, je sais pas. Bah, j'allais dire encore, ouais, bon, ça va encore. La salle qui pivote encore, ça va. Réponse à tout 42. Ah, c'est cool, un beau petit objet. Ok. En plus, c'est bleu. Ouais, non, le fantôme bleu. Ouais, ok. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Non, mais ok, ok. Deux tiers du jeu fait, donc ok. Non, c'est plus le donjon d'Arbre Mojo. Là, on est... On est dans le donjon de l'Arbre Mojo, mais de Link adulte. Finalement, non, mais c'est carrément jouable hein, de finir ce soir. Là. Sauf si on se prend la giga taquinerie, mais... Bah, de toute façon, il y a que Majora qui peut troller maintenant. Il y a que Majora qui peut troller. Alors, par contre, j'avoue que... On va dire un peu triste, j'ai pas... J'avoue que j'allais dire un peu triste, je suis absolument pas les indices. Là, je me promène. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un espèce de jeu de piste sympathique en suivant en mode... Parce que là, pour le chemin de machin, il m'avait dit d'aller... Bah, ça se suivait plutôt pas mal, là. Ça me disait d'aller récupérer... Je sais plus quoi là. Ah oui, le masque Skull Mask ensuite pour aller chercher l'Ocarina des Fées. Ocarina des Fées qui m'a permis de récupérer ensuite le champ du temps. Le champ du temps qui m'a permis de venir jusqu'ici. Et on est pas mal hein. Prends pas le coffre avant. Bon. À quoi bon? C'est pour le challenge, je reste à 3 cœurs. J'ai absolument pas un bon coup de stocker en fait. Par contre, j'avoue que j'ai toujours pas eu d'indice par contre pour. Enfin, je crois que j'en ai eu un. Il me disait d'aller au cratère du péril. Ce que j'ai fait pour un moment. Mais... Je crois que j'ai rien gagné dans le cratère du péril pour l'instant. Mais j'ai oublié de récupérer un truc au cratère du péril en fait. Tous les cœurs sont dans le puits, t'inquiète. La fois que je t'ai vu prendre un cœur, tu t'es fait troller et t'es mort instantanément. C'est vrai, hein. Depuis, traumatisme, je ne ramasse plus les petits coffres marrons. Ah,
En vérité, je dis ça, là, il me manque quand même. Il me manque quand même la magie. Et... éventuellement le feu de daim aussi. Bon, ça faisait un moment que je n'étais pas passé, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, effectivement, bah, moi ça va. J'espère que toi aussi. Donc, quel boss pour le donjon d'attente de la forêt. Allez, je vais vous faire une petite prédiction. Je fais exactement la même. Autant que je fasse l'énigme. Hop. Temple de la forêt, on corrige. Voilà. Non, avec un point d'interrogation plutôt qu'un point, c'est mieux. Voilà, hop. Hop, hop. Tika pour Scorn. Ouais, franchement, j'avoue que... Scorn, ça ferait partie des rares boss que je pourrais battre. Théorie. Quoique j'ai pas beaucoup de... beaucoup de flèches, hein, en fait. Mais il fait partie des rares boss que je pourrais battre, en fait. Y a-t-il autant de boss enfant que adulte pour ôter? Non, il y en a que 3 de boss enfant. Du coup, il y a moins de chances d'avoir un boss de Link enfant, effectivement. En vrai, ouais, Scorn, il est faisable. Hein. C'est le seul boss de Majora qui est faisable. Incroyable. Si on tombe sur Scorn, c'est drôle. Après, sachant que Volcania est déjà passé, il reste quoi? Ouais, il y a toujours un peu moins de chance pour Link enfant, mais ça reste jouable quand même. Ah bon, c'est Majora déjà, donc... yay! Voilà. Écoutez, je peux lui jouer de la musique, hein, s'il veut. J'avoue, j'ai quoi comme chant? Ah oui, c'est la Sun Song. Bon bah, voilà. Tu as super du toi, j'avoue que je suis étonné aussi. Oui, tiens, ce serait bien que je mette... je valide la prédiction, en fait. Ah, il n'y a pas grand monde qui avait mis prédit sur Link adulte, tiens. Ok, ouais, j'avoue, allez, tiens. Un peu de prédiction. Mais de quoi? Comment ça? Le Fire Temple, il est sur le chemin du courage. D'accord, ok, alors je vois que nous sommes en face d'un tricheur, là. Ça veut dire qu'il y a un morceau de Triforce, non? Mais... en fait, j'ai l'impression que non. Mais du coup, je comprends pas, là. En fait, véritablement, je ne comprends pas. Oh, mais tiens, j'ai pas parlé, c'est bien potin, en fait. Alors... ok, très bien. Ah, c'est cool ça. Bon, attendez, je vais retourner vite fait dans le cratère du péril. Bon, il faudrait que je pointe tout là. Je vais serrer. Hop. Ah ouais. J'avais oublié lui.
Bon. Ok. Je sais pas si c'est limite en mode t'as une triforce du courage que tu peux avoir dans les deux jeux. Ouais, peut-être. Ouais, comme je dis, c'est la première fois que je le fais, donc j'ai vraiment aucune indication sur le truc. J'avoue que là je me disais que... Ah bah oui, non, mais c'est vrai, il faut que j'arrête... J'arrête Triforce aussi. Purée, mais j'en ai des bombes chues en fait. Incroyable. Ah bah ok, d'accord. Il en a rien eu à faire le gars, genre, ouais non, moi je roule, hein, c'est bon. Ah il est bon, ah il est bon, ah aujourd'hui il est bon, tiens. Champion du monde, c'est lui. Alors. Ah non, je lui parle trop vite. Ah non, c'est bon. Yes. Le pire grappin du monde. Ah non, d'accord, donc ok. En plus, c'est pas la même. Donc finalement, je pensais que c'était la même. Bah du coup, je vais... Du coup, vu que Volcania est dans le décu de fuite qui mange des gourons dans le Fire Temple, ah bah faudra aller voir. Bon. Alors, dans le cratère du péril, on aurait donc un objet sympathique. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a là? Je n'arrive pas à voir du tout. C'était pas Shake. Si je peux en voir. Oh, malheureusement, je peux pas du tout. Des bombes. Ah, vous avez vu, chien. Bon, je vais juste récupérer vite fait un truc ici. C'est tout ce que je peux faire. J'ai toujours pas le marteau. Mais c'est peut-être le truc sur le chemin du courage, qui sait. Non mais ça n'a aucun sens, hein, vraiment. S'il n'y a qu'un seul morceau de Triforce, je ne comprends pas. Il y a un truc. Il y a un truc en plus, c'est ça le pire. Pas la clé d'ici. Bon alors, qu'est-ce que vous me donnez? Titre de terre, ok. C'est pas le titre de terre, le titre de terre. Bon, de toute façon, on est qu'au début du donjon, donc on va rien dire. Bon.
Donc je vais... Je pense que je vais aller au village Cocorico avant. Avant tout. Puis ensuite je vais faire Akarendodongo du coup. C'est à quoi le titre de terre déjà il sert à donner... à le donner à... À... Comment ça s'appelle? À la peste marchande de... du marais qui permet ainsi... Ça a l'air d'être des noix. Hein. Ouais. Qui permet ainsi de gagner du. Enfin, un quart de cœur. Donc là, je vais aller vite fait. Non, je prends pas. Un cocorico. Après, c'est une suite aussi de quêtes, du coup, pour les titres, parce qu'en gros, tu vas donner le titre de la ville au titre du à la peste marchande du marais, qui va ensuite te donner le titre du marais que tu vas donner. Ok, ouais, d'accord, très bien. On renonce ça. Titre du marais ensuite que tu vas donner à la peste marchande de la montagne qui va te permettre d'avoir un quart de cœur mais qui va aussi te donner le titre de la montagne. Titre de la montagne que tu vas ensuite donner à... que tu vas ensuite donner à la peste marchande de la chambre de Lulu. Chambre de Lulu qui te permet de gagner des bottes, des airs. Ok. Pff, masque dit parfum il sert à rien en réalité. Je l'achète par politesse, mais... Tout est à 10 rubis. Ouais, tout est à 10 rubis. Faut que j'aille voir... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le mini-jeu aussi que je peux faire, en fait. Arrêtez avec les Decushields là, s'il vous plaît. Comment ça, progressif Decushield? En Majora, il sert à quoi le masque du parfum? Ah yes! Dans Majora, le masque du parfum, il sert à récupérer un champignon qui permet de gagner d'avoir des potions bleues dans les bois mystérieux. Bah bon, ça ne sert à rien du coup. Mais je l'ai acheté pour la complétion, vas-y. Thank you.
Ah yes. Un objet très important nécessite les 20 masques sur la lune. Eh, vous savez que c'est pas impossible en théorie que... C'est vrai que c'est pas impossible que la Triforce du Pouvoir, elle soit là-bas. Oui, la Triforce du Pouvoir, carrément. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, j'avoue que... Eh, regardez, on avait eu un objet pas trop nul chez les Skulltula, incroyable. On commence à avoir quelques petits trucs sympas là pour Majora. J'imagine qu'on va commencer, on va peut-être commencer à s'y diriger. Bah je vais faire la caverne de Dongo, puis je pense que je vais aller dans Majora un peu. Histoire de changer un peu. Triforce du pouvoir, Majora le fils de Ganondorf réel. Oui oui c'était bien. Il y avait bien une théorie qui disait que Majora était le fils de Ganondorf. Ou alors c'était l'inverse, je sais plus. Je sais plus si c'était Majora le fils de Ganondorf ou Ganondorf le fils de Majora, mais je pense que c'était Majora le fils de Ganondorf. Pardon, ouais non mais... Malheureusement ce topic n'existe plus, du coup je ne pourrais pas vous donner plus de détails, mais du coup bah voilà, c'est pour ça que je dis en plus, et j'ai encore pas regardé ce qu'ils vendaient. Ah, des bombes chues, bon, ça va. Je sais qu'il y a un délire, mais je sais plus d'où ça vient. Mais ça vient de notre forum. De notre forum, l'Observatoire, où bah justement, en fait, on avait un forum qui était plutôt actif, où tu pouvais faire des topics sur les jeux vidéo, de manière générale. Genre, il y avait des topics, par exemple, pour parler de Pokémon, il y avait des topics pour parler de... Ah mais oui, attends. Il y avait des topics pour parler de Zelda, ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui avait créé un topic. Yes, il y a quelqu'un qui avait créé un topic pour parler de... Pour écrire qu'il avait une théorie sur Majora's Mask et Ocarina of Time, où il disait que Ganondorf ou Majora, je ne sais plus, j'ai franchement je ne sais plus lequel des deux hein, pour le coup, mais que Ganondorf ou Majora était donc du coup le fils de l'un ou de l'autre. Ah, mais pourquoi il avait cette théorie, ça je m'en souviens plus. C'était vous le forum l'Observatoire? Ouais, c'était nous le forum l'Observatoire. Yes, world map. Mais il a même pas... Ah mais j'ai pas assez d'argent. L'ouverture d'un forum n'est pas devenue obsolète dans votre cas comme il y a le serveur Discord. Bah... Pff. Vérité, je dirais, moi, j'aimerais répondre que non, parce que c'est trop stylé les forums, mais j'ai envie de dire surtout que je pense que malheureusement les forums n'ont plus l'engouement d'avant, surtout. Bon, moi je suis team forum tous les jours, donc... Franchement, le côté pratique d'un forum et tout. Moi je suis toujours fan du combo forum plus serveur IRC à côté. Il est mort en quelle année ce forum? Oh là là, j'avoue que ça date hein. Ça,
même pas s'il était pas genre mort en 2017 peut-être même. Jamais connu les forums malheureusement, je me baladais sur YouTube à la place. Non mais vraiment, c'est vrai que les forums ils sont vraiment morts de chez mort, c'est un peu triste. Bon quand même, franchement je trouve que c'est... Je trouve toujours que c'est plus pratique finalement. Tout est bien archivé. Et avec le serveur Discord on peut refaire revivre le forum. Bah ouais mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, c'est pas vraiment la même chose non plus. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même ambiance. Ça s'en rapproche un peu, mais si vous voulez, si jamais vous voulez une idée un peu de ce que ça donnait un peu des forums, en un peu moins élaboré finalement, mais ça se rapproche un peu de Reddit finalement. Pas totalement non plus, mais... En gros, tu pouvais créer le forum entier sur ce que tu voulais. Donc, genre, nous, par exemple, on avait créé un forum, l'Observatoire, où du coup, bah, ça servait à parler de nous, enfin, de nos activités. Il y avait une section jeux vidéo et une section blabla générale. Mais après, voilà, il y a des sous-forums. Donc, du coup, dans ces sous-forums, bah, c'est par exemple la section jeux vidéo ou des trucs comme ça. Et puis là tu peux poster un topic. Pour parler de ce que tu veux finalement. Genre, par exemple, si tu veux parler de. Bah, déjà, je sais pas, de Ocarina of Time, tu fais un topic sur Ocarina of Time, les gens ils te répondent sur Ocarina of Time, et du coup, bah, les gens ils parlent ensemble d'Ocarina of Time, et c'est sympathique. Et après, tu fais des petites théories, tu te dis est-ce que Malone ne serait pas une Gerudo, et puis voilà. Bon, alors. Testons un petit peu. Ah, du coup, le truc ne remonte pas, ok. Un chat Xoït. Ah, je crois que ça existait, effectivement. Là, ils appelaient ça comment déjà? Des boîtes de chat, là? Je sais plus quoi, des boîtes de dialogue, je sais plus quoi. Ah, je sais plus comment ça s'appelait. Mais ça ne vaut pas un bon petit chat IRC, là. Voilà, bonne ambiance. La chatbox, ouais, voilà, merci. La chatbox. Bonsoir d'amis, la chatbox de Twitch. On va plus partager ma théorie du jour 0 de Majora's Mask. Ouais, bah ouais, tant pis, t'aurais même pu avoir des réponses, tu vois. J'étais sur un forum où c'était genre la guerre entre ceux qui voulaient un chat IRC et ceux qui voulaient rester sur la chatbox. Ah, moi j'aurais été totalement team chat IRC. Hein. Ah non, mais chatbox là, non, mais c'est trop nul chatbox. Arrêtez, chatbox c'est trop nul là, c'est intégré au machin. C'est horrible. Y a aucune ergonomie dans le truc. Non. Team chat IRC et forever. Avec ton petit client IRC là, c'est parfait. Une bonne ambiance, t'es content, tu vas sur IRC quand t'as envie, t'es pas obligé d'être sur le forum et tout. Et je me suis cité en même temps que je me plains. Sur la chatbox, on peut utiliser les smileys du forum. Bah mais qui utilise les smileys du forum aussi? Personne fait ça. Ah, j'avoue que j'ai jamais été team smiley sur les forums, hein, c'est fou. Ah non mais Twitch m'a changé, hein. Ah, Twitch m'a changé. Jamais utilisé des smileys avant. Vraiment, j'en utilisais pas. Twitch m'a changé. Mon carré tonnerre, il m'a changé. Ah, c'est toujours un tonnerre le meilleur finalement. C'est
c'était nul, c'était très intuitif quand on n'était pas Tech Savvy. Ouais, non, mais après, bien sûr, je comprends totalement les arguments contre IRC, parce que c'était pas évident. En fait, t'avais deux choix, soit tu codais toi-même ton truc, soit tu demandais aux gens d'avoir un client IRC. Et là, à partir de là, c'était la galère pour expliquer aux gens comment avoir un client IRC, quoi. Moi je suis team MSN. Ah bah MSN c'était sympathique mais team IRC quand même. Team IRC quand même, hein, genre là. Oh, une grande clé. Dommage que Splatoon n'existait pas, ça aurait pu se régler en Splatfest. Ah écoutez, alors moi j'aurais fait l'idole totalement pour vous défendre IRC cœur et âme en fait, genre vraiment. Avec le meilleur argument de l'époque, justement, c'était pas gourmand en ressources IRC, c'était le client de base, y a besoin de rien, y a juste besoin de charger du texte, trop bien. Pas besoin de charger une page avec des forums, pas besoin de charger quoi, non, tu charges juste du texte. C'est ergonomique, c'est pratique. On peut même se transférer des fichiers avec IRC. Non, mais c'est très bien. ADSL friendly, exactement. Même avant, pré-ADSL même. T'as un petit modem 56K, pas de problème. Ça va vite. Il n'y a pas de souci. Ah, vous connaissez pas, il y a des gens, ils connaissent même pas, ils savent même pas ce que ça fait de devoir attendre une minute pour charger une page. Et encore moi, franchement, j'avoue que ça va, j'ai eu de la chance, j'ai pas trop été dans le côté 56K finalement d'internet. J'ai eu quelques passages parce qu'à chaque fois les fournisseurs d'accès ils te font ouais non t'inquiète on va installer la DSL mais d'abord en attendant on peut utiliser une connexion 56K, c'est bon ça marche. Oui, heureusement que c'est un boss d'Ocarina of Time en fait là parce que sinon j'aurais été bloqué. Aussi 25 minutes pour charger une vidéo de 10 secondes. Ah non mais ça. Bah mais ça. Mais non mais ceux qui ont. Bah après il y a encore des gens qui ont la DSL, ça ils connaissent encore. Hein. Ah ça ils connaissent encore. Ça ils connaissent encore hein, les gens là. Non mais franchement si vous avez encore la DSL chez vous là. Mais... Ah ça doit être dur quand même. En vérité. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de stream sur YouTube. Mais je sais que globalement les gens regardent plus regardaient plutôt les streams en 480p que dans les autres formats. Attendre une semaine pour télécharger un film sur Emule et finalement c'est pas du tout ce qu'on voulait. Ah non mais moi j'aimais bien effectivement attendez. Bon attends, je vais retourner dans... Je disais que j'allais retourner dans... Dans Majora, là, je pense. Bon, ce serait bien que je fasse un peu de Majora à un moment. Hein. Mais non, mais moi, j'avais un... Enfin, j'ai un papa qui regardait, qui téléchargeait des trucs aussi sur des plateformes peer-to-peer. Et sa passion dans la vie, vraiment, c'était de regarder la barre de téléchargement qui augmente, en fait. Et moi, j'étais en mode, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Go faire un stream sur ADSL pour voir ce que ça fait. Oh non, c'est bon, on a déjà fait ça en 2017, là. Ah non, mais plus jamais, hein, non, mais plus jamais.
Plus jamais, non mais vraiment la DSL, insupportable, hein, vraiment je... Ah mais quelle horreur! Non mais vraiment la DSL, mais quelle horreur! La barre des bulles était hyper captivante. Aucun c'est pas sur la mienne, c'était de regarder des canalisations en 3D. Ah mais j'avoue que... Ah non mais les fonds d'écran aussi c'était pas mal. Hein. D'ailleurs maintenant vous pouvez stream sur Twitch et YouTube en même temps. Ouais. On peut même streamer ailleurs si on veut. Ah oui donc ça marche vraiment pas ici donc ok. Ça change tout le temps les guidelines, ouais non mais... Ils savent pas se décider Twitch. Genre... Ils font des comptes de musique de quoi déjà lecteur Windows? Ouais je pense que c'est Windows, hein. VLC il me semble qu'il a jamais eu de... Enfin, sans ajouter des plugins soi-même, des trucs. Mais attendez, si vous voulez un petit peu plus de nostalgie de l'époque, souvenez-vous qu'il y avait... Ah mais j'ai pas l'ocarina en fait. Ah d'accord, j'ai pas l'ocarina. J'allais dire souvenez-vous que... Ah bah oui, j'ai pas d'épée non plus du coup. Souvenez-vous qu'on avait aussi même un logiciel de musique à l'époque qui s'appelait Winamp. Ah, il y a une clé de boss en plus. Spirit, ok. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais un passe-temps, c'était d'aller sur Google Images, de DL des images de Trackmania, je les numérotais. Bon, vas-y, je vais pas aller à Spirit avant un moment. Ah, mais non, c'est bon, en fait, j'ai assez d'argent. J'ai quoi avec Link? Ah oui, du coup j'ai un petit grappin je crois. Ah non, c'est un vrai grappin. Ok. C'était content de voir un dossier de plus de 200 images du jeu. Non mais quand on est enfant, on est vraiment passionné de trucs, c'est marrant, hein. C'est vraiment marrant. Alors Winamp, pour moi, c'était le serveur intra quand tu développes des API, du coup, je suis pas sûr. Ouais, non, Winamp, à l'époque, c'était un lecteur de musique qui bah, permettait d'écouter de la musique. Tout le monde utilisait ce logiciel-là. Ah, mais c'est parce qu'il était customisable assez aisément. Hit. Tiens, un vieux logiciel nul, tu changeais ton pointeur en objet genre marteau, lance-flamme, insecte, etc. pour faire croire que tu cassais ton écran. J'étais petit, j'avais trouvé un site avec des cartes Pokémon vierges que tu pouvais imprimer une grille de cartes et que tu faisais des vraies cartes et jouer avec les cartes que tu as dessinées. Ah, mais ça existe encore, hein, les... C'est incroyable, ce truc-là. On a une idée de l'âge moyen du chat. Bah de toute façon c'est facile, t'as ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas en fait.
Red Ruby et un Gold Sculpture. Ok. En vrai, je fais des trucs ici, ça sert à rien. Hein, mais c'est histoire de faire des trucs dans Majora, histoire qu'il n'y ait pas que Ocarina qui fasse des trucs. Je me rappelle la fois où j'ai mis un artwork de Furissan en wallpaper pour le refaire en dessin. Ah, c'est trop bien. Moi, je connais beaucoup de trucs car mes parents ont vécu longtemps comme dans les années 90, début 2000, avant qu'ils claquent sur la Wii car je jouais plus avec mes jouets. C'est normal, tous les enfants de cette génération répondront que de toute façon c'était la meilleure époque, on avait le bon jeu à l'époque. Par exemple, Ocarina of Time qui est sorti en 98, Majora's Mask qui est sorti en 2000. Bon, par contre, l'autre il est parti là-haut, là, c'est bien. Bon, qui m'a bien eu. J'ai découvert qu'on pouvait mettre des images paint en fond d'écran Windows, mais par contre on a eu le droit que ça en fond d'écran. Moi je crois pas que j'ai fait des trucs comme ça avec les fonds d'écran, j'avoue que... Les études montrent que chaque génération trouve que c'était mieux avant. Même celles ayant connu la guerre, mais faut être réaliste, clairement pas sur... Pas surtout, ouais bah non, bien sûr, moi je... Y a des trucs que effectivement... Ah ben... Ah oui, sinon c'est bon. Il y avait des trucs sympathiques à l'époque, effectivement. Il y a des trucs qui sont carrément mieux aujourd'hui, quand même. Faut être objectif. Windows XP, c'était génial. Est-ce que Windows XP c'était si génial que ça? En vrai non, pas tant que ça, hein. c'était vraiment facile. C'était vraiment un gruyère, hein. Par contre, Windows XP, faut le reconnaître. J'avoue que Windows XP... Aïe aïe aïe. Ils sont vraiment améliorés sur la sécurité. Microsoft, faut quand même l'avouer. Parce que Windows XP c'est vraiment la galère. Hein. N'importe quoi peut casser ton système d'exploitation en deux temps trois mouvements. Paf, ah, j'ai téléchargé un mauvais truc, ah bah dommage. Ça y est, tu as plus de PC là. Ah dommage. Moi XP te marche pas 4 gigaoctets de RAM à lui tout seul. Oui, mais bon, après ça c'est vrai avec tout, et puis au pire si ça vous dérange, vous pouvez prendre une petite distrib Linux, y'a pas de problème. Y'en a des très bien. Ah mais j'avoue, c'est vrai que vous avez des couleurs différentes. Mais...
Je me dis que je vais faire un cycle dans Majora. Puis, ensuite on verra. XP, c'était pas l'époque du fameux virus I Love You, enfin je crois. Possible. Il y a tellement eu de virus à l'époque. Ouais, il y en a toujours plein des virus, ça c'est indéniable malheureusement, mais. Moi j'avais eu du virus des 30 secondes. Un truc qui faisait apparaître un pop-up de manière random pour prévenir que le PC allait redémarrer dans 30 secondes et on pouvait rien faire. Ah, je crois que c'est le seul virus que j'ai eu aussi sur Windows XP. En fait, Linux, ça peut être intéressant, mais les yeux sont plus optiques pour Windows, mais moi, ouais, malheureusement. Bah, si c'est sûr, hein, si t'es un joueur de jeux vidéo, t'as aucun intérêt d'avoir autre chose que Windows, en fait. Sauf si tu veux jouer à Sonic Dream Team. Mais... Désolé, c'était mon moment... C'était le moment triste un peu du stream, parce qu'il en faut bien un. Parce qu'on passe un peu par toutes les émotions, tu vois, quelque part. Le plus gros virus que j'ai eu, c'est McAfee Antivirus. Tellement pénible à désinstaller. Ah ouais, non mais les antivirus de l'époque, là. Bah, d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, je crois. Attends, avec Proton, tu fais tout tourner sur Linux, sauf les jeux qui utilisent un anti-cheat. Bah, en vérité... À l'époque où j'utilisais encore des distributions Linux, ça a passé tranquille, hein, les jeux... Tant que tu prenais pas des jeux trop récents, ça va. C'est sûr que tu joueras... Enfin, c'est sûr qu'à l'époque, tout du moins, à l'époque où je jouais, tu pouvais pas jouer aux dernières nouveautés, c'est sûr. Mais ça s'est amélioré assez vite. Parce qu'il y avait même des jeux amateurs qui tournaient pas à la base et qui finalement au bout d'un moment finissaient par réussir à tourner. Donc. Laissez-moi ramasser mon masque là, bon sang. Mais non mais ils sont insupportables les chauves-souris, laissez-moi. Mais Tingle, t'es insupportable aussi, en fait! Eh bien, tout le monde est insupportable, là, ça y est, c'est bon. À l'époque, on utilisait du coup un service qui s'appelait Wine, plutôt, pour lancer des applications Windows. De manière générale, ça fonctionnait pas mal, mais... Pas Norton antivirus tellement stupide qu'il s'attaque lui-même. Ah, oh, c'est vrai qu'il y avait des histoires comme ça. Bon, il y avait quand même quelques antivirus qui étaient sympathiques hein, à l'époque. Sûr que je vais pas les recommander aujourd'hui. Je sais qu'ils existent encore, mais je sais pas trop ce qu'ils valent. Mais... Il y avait quelques programmes sympas comme Bitdefender ou des trucs comme ça. Ça marchait bien, ça marchait bien. Sonic Dream Team, c'est quoi? C'est un jeu. Que Sega a annoncé récemment, mais qui sort uniquement sur Apple Arcade. Du coup, bah tout le monde dit il est triste, moi y compris évidemment. Surtout moi d'ailleurs. Quel est ton masque préféré dans Majora? J'aime bien le masque du capitaine. Un Malwar déguisé en fan game Sonic. Mais non, non vraiment, Sonic Dream Team, c'est pas un Malwar. En plus, il a l'air pas mal le jeu, arrêtez! Moi, franchement, je trouve qu'il a l'air bien. Je confonds avec Sonic Fighters. Ah oui, oui, non, mais il a été annoncé il y a pas longtemps. Toujours, hein, dans le genre. Oui, oui, bah oui, mais laisse-moi acheter la musique, là.
Ouais, mais pourquoi je me... Ah, d'accord, ok. Ok, très bien. Ouais, y a pas vraiment grand chose que je peux faire en fait dans ma joie. Ah mais si, je peux aller faire quand même. Y a trop de fan games Sonic célèbres pour de mauvaises raisons en même temps. Ouais, j'avoue que je suis pas trop dans la communauté fan game Sonic. Alors... J'avoue que j'ai pas de. Je suis innocent, je n'ai pas de. Je n'ai pas de mauvais a priori sur des. Sur des fangames Sonic, moi ça va. Finalement, le masque des parfums est utile. Oui, bah du coup, finalement, il est utile en fait. Genre... Du jamais vu. Du jamais vu. Ah, ça c'est nice. Du coup, en toute logique, on peut battre Orc du coup. Ah, c'est génial parce que ok. Ah, oh, plutôt intéressant ici quand même. Oh mon dieu, on a eu un quatrième cœur. Incroyable. Ah, une grande clé. Ouais, franchement, boss kit fire en plus. Ouais, franchement, c'est bien là. Par contre, malheureusement, c'est pas trop la scie de Majora, hein, par contre. Majora, il a un peu rien à faire, finalement. Hein. Oh ouais, non mais... c'est tout pour Ocarina, hein. Vraiment. Hein. Ah, quand même. Ah, ouais, quand même, bon, ça va. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche pas. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à Rorqua? Ouais, bah tranquille, on peut. Hein. Quel fli. Bon, il va la chercher de l'autre côté, hein, c'est bon. Oh mais c'est bien. On commence à avoir pas mal d'utilitaires finalement là pour Majora, c'est cool. Attends, faudrait les vrais trucs, genre par exemple une épée. Voilà.
Bon, malheureusement, comme j'ai toujours pas d'épée, bah, je peux pas ouvrir de trucs, donc je peux pas me téléporter grâce à ça. En fait, j'ai... Oui, de toute façon, j'ai même pas d'ocarina, en fait, donc... En fait, je crois que j'ai plus rien à faire ici, en fait. Hop. Sûrement pas, je pense que non. Enfin, que je testerai fois en partie, je pense pas. Qu'à un moment il faudrait chercher un objet de Majora dans Ocarina pour débloquer tout. Ça va prendre des heures, puis quand on aura tout ouvert, Hyrule. Ouais, non, mais c'est. Ouais, non, mais ça va être ça, hein, ça va être ça. Ça va être ça. Hyrule Market est sur le chemin du pouvoir. Je vais même dire que j'avais tout fait. Peut-être que je devrais me concentrer sur ça. Oh, dommage. Du coup, c'est une chasse à la Triforce avec seulement 3 morceaux. Bah, du coup, je crois, ouais. Une idée si je peux le toucher comme ça, en fait. Bon. Les sens que tu as doit être sont pris en compte ou en rando, au fait. Tu peux demander à ce que ça soit une condition, effectivement. Pour finir le jeu, d'avoir les sens que tu l'adores. Genre ça peut te donner la... Soit les flèches de lumière, soit le... La clé du boss de... De Ganon. Voire même carrément ouvrir le... Le pont. Que je retourne à Hyrule Market, du coup. Bon, après, en soi, j'ai peut-être déjà eu tout, mais il manque juste deux trucs à Hyrule Market. Donc, je me dis peut-être que je devrais peut-être m'occuper de ça. Car je vais tenter un truc. J'ai envie d'essayer de voir un truc. Parce que je crois que du coup, ça sauvegarde. Bon, de toute façon, on s'en fiche. Je vais retourner. Mais j'avoue que... Si j'avoue que finalement... Ah, normalement, je suis censé me servir des indices pour faire des trucs.
peut pas lui parler avec un gourou. Ouais, mais... Non, mais... Ouais, non, mais... Non, mais... Non, mais c'est incompréhensible, en fait, ce truc. C'est vraiment incompréhensible, finalement. Je comprends vraiment pas, en fait. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous deviennent fou. Il y en a un milliard des clés de boss, c'est incroyable, hein, par contre. Non, mais... La première fois que tu dis les indices sur un rando. Je vous envie de dire non, je crois que c'est la deuxième. Enfin, je le faisais un peu au début pour rigoler, mais. Mais en fait. Le fait est que je sais pas s'il y a 3 morceaux ou 6 morceaux. Parce que s'il y a que 3 morceaux. Bah, je ne comprends pas. J'ai envie d'essayer un truc. Parce qu'en vérité, il y a un truc que je me pose comme question. Vu que de toute façon, c'est condamné pour Majora, j'ai envie de. Ah, mais j'ai pas de. Ah, mais j'ai qu'un seul bon dessus. Bon, bah, ok. Ouais, je me disais que j'allais voir Skull King. Ah, parce qu'en vérité, j'avoue que je sais pas trop comment ça se passe. Mais oui, mais j'ai même pas d'Ocarina en fait. Ouais, bon, bah, tant pis. Je ne vais pas faire ce que je voulais faire. Je me disais que je voulais aller. Je voulais tenter d'aller voir Skull King en fait. C'est peut-être pas une bonne idée. On va pas le faire. Bah après, il existe une autre un autre type de chasse à la Triforce où tu ramasses effectivement des petits morceaux de Triforce et là, tu peux en ramasser autant que tu veux. Mais là, c'est vraiment précisé que je suis censé trouver le morceau de Triforce de la force, de la sagesse et du courage. Bon, attendez, au pire, je peux checker, il fait. District Triforce Quest. You must collect the three parts of the Triforce to win. Specific hints will guide you. Donc ouais, donc normalement je suis censé utiliser des indices pour me guider, pour aller chercher. Ah, je suis en fait. Donc là normalement en fait, je suis censé utiliser les objets de Hyrule Market pour. Vas-y, on y va en frimant. Bon, de toute façon, c'est juste pour un quart de cœur. Parce que normalement, c'est... Bon, alors. Bah là, du coup... C'est bon. Avec tous les objets que j'ai déjà l'objet de d'ici.
Probablement. Mais ça peut être n'importe quoi, hein, du coup. Mais c'est pour ça, en fait, que je comprends pas, parce que... Ça me dit clairement que je suis censé suivre des indices, du coup, pour avoir les morceaux de Triforce, mais... Mais la Triforce du Courage, y avait besoin de rien faire, en fait, pour l'avoir. Du coup, c'est pour ça que je suis étonné. Sachant que le morceau de Triforce du Courage, c'est juste un vendeur qui le vend. Va lire les indices, du coup. Ah, Water Temple, donc du coup, faudrait que j'aille au temple de l'eau. Ah, c'est un des rares trucs que je peux pas encore faire, du coup. Parce que je pense que Hyrule Market, j'ai tout pour. Du coup, faudrait que je trouve les bottes de plomb. Et une fois que j'aurai les bottes de plomb, bah, on est bon, quoi. Et attends. J'ai dit des âneries, moi. Je peux pas continuer dans le temple du feu, mais je peux totalement faire des trucs dans le temple du feu. Je dis n'importe quoi, moi, genre, ouais, non, je peux pas dans le temple du feu, j'ai pas le marteau, mais on a pas besoin du marteau, en fait. Je suis rentré, je suis sorti du temple du feu en mode, ouais, non, mais je peux rien faire, hein, de toute façon. Ah, Deku Tree est sur le chemin du pouvoir, donc, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné à Deku Tree, déjà? Ah, j'ai gagné l'épée de légende, j'imagine que c'est ça. J'ai cru que t'étais parti parce que tu n'avais pas atteint Goron. Non, je suis parti parce que j'ai pas réfléchi. Ok, non, je devrais pas faire ça. Peut-être en train d'inventer des trucs qui sont visibles que je devais aller dans le temple du feu, mais peut-être pas. Bah je pense qu'il se passe rien. Ah voilà. Dépêche-toi de m'en activer, bah je veux bien, mais... Lostwood, il y avait des trucs aussi apparemment, mais je crois que c'était que pour c'était pour le chemin de du chemin du courage, et le chemin du courage vraiment je comprends pas. Hey!
Parce que là, je devais aller à la Death Mountain, mais je peux pas encore... Alors, j'ai récupéré un truc ici, je m'en souviens pas, mais je crois pas. Non, bah non, parce que, justement, je devais m'en souvenir, donc... Je l'aurais noté dans ma tête. S'il y avait un truc intéressant que j'avais gagné ici. Enfin, dans le... Dans Death Mountain Crater, donc... Pour l'instant, je crois que voilà. J'invente peut-être des trucs, hein, que le Fire Temple il y a un truc. Après, j'ai gagné un truc, donc. Puisque j'ai gagné. Un objet. Je sais plus quoi. J'ai gagné un objet, j'ai gagné un masque, je crois. Bah, en vérité, ce qui me choque particulièrement pour l'instant dans cette seed, c'est que j'ai vraiment rien à faire dans Majora, en fait. Avant, c'est une seed qui boude Majora. Bah, je me dis que si j'ai besoin d'aller dans le temple de l'eau, ils vont peut-être me donner... Ils vont peut-être me donner soit le... Ah mais faut que j'arrête de penser qu'il y a peut-être rien ici en fait. Je suis en mode oui, hein, peut-être qu'ils vont me donner... Le marchand il a trouvé le morceau dans les bois perdus, il a dit... Ça doit être ça, ça doit être ça. Dans tous les cas, là, il faudrait que je réussisse à aller dans le temple de l'eau. Et pour ça, il me faut soit Long Shot plus la Gold Scale, soit les Iron Boots. Pour le chemin de la sagesse, il m'avait dit... Je sais pas s'ils m'ont parlé du temple de la forêt, en fait. Enfin, après, j'ai peut-être pas encore trouvé les indices qui en parlent, justement. Il me semble que ça avait mentionné Hyrule Field et... Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant dans le temple du feu, effectivement, quand même. Forest Temple is the full choice, un indice donné après que tu aies fini le temple de la forêt. Ils ont vraiment dit ça? Non, ça m'étonnerait parce que... Mais il y avait vraiment un truc dans le temple de la forêt. Puisqu'il y avait, le morceau de la sagesse. Il y avait vraiment un truc dans le temple du feu, du coup. Je savais pas que tu l'avais fait. Ok.
Bon, je vais faire le raccourci et puis je vais aller au temple de l'eau du coup. Mon problème c'est qu'après le temple de l'eau je suis bloqué parce que j'ai pas d'autres indices mais. En fait, il y avait vraiment un indice pour le temple du feu, en fait. Le jeu de piste continue. Tout ça pour qu'il soit vendu par un vendeur dans Majora, vous allez voir. Et donc du coup, bah tout ça n'aura aucun sens. Et donc du coup, j'aurais fait tout ça et on sait même pas pourquoi, en fait. Bon, allez, on arrête d'être taquin, là, c'est bon. Ah mais en vérité, j'ai le feu de le vent de Pharaon en fait. Après j'ai gagné la tunique Zora il n'y a pas longtemps. Non, je crois que je l'ai acheté en fait. J'ai vu. Bah du coup, on va faire point de TP ici. On va aller voir le temple de l'eau. Toujours pas de champ de téléportation non plus. Du coup la promenade est un peu longue. Bah, je vais faire un tour chez les Zora quand même vite fait. Puisque j'ai la gold scale et au pire j'ai le champ de Zelda et tout, donc vas-y, on va profiter un petit peu. Parce que bon, le fait que les magasins ils ont 8 checks, c'est pas... C'est sympa. Ici j'ai gagné le hookshot parce que je me rappelle, mais je crois que c'était pas pour le... Non, c'était pas pour le feu de toute façon. Huh?
Un jour, j'appellerai ça la Triforce de la Force, peut-être. Hein. La Triforce du pouvoir, la Triforce du feu, mais certainement pas la Triforce de la Force. Non, la tour de Ganon est pas ouverte. J'y ai pas pensé sur le coup. Justement, je me suis dit, mince, c'est vrai que j'aurais pu l'ouvrir, mais... Mais non, elle est pas ouverte, du coup. Ah, il y a le feu de Dain. Bon, bah, c'est bien quand même. Au moins, on pourra faire Shadow si besoin est. Cocorico. Bah, Cocorico, j'ai tout fait, là, par contre. Cocorico, j'ai gagné. Ouais. Cocorico. Cocorico. Ah, je viens d'acheter des trucs à Cocorico. Bah, c'est peut-être là que j'ai acheté la tunique Zora, donc... Ah mais oui, il y a des sculptures là éventuellement en fait. Donc en fait, pas totalement terminé, Cocorico. Donc il y a moyen que... Il y a moyen que ça puisse être lié à ça en fait. Bon, on va aller voir quand même. Le temple de l'eau, ça se trouve c'est... Parce que là, on perd notre... On avait un bon truc là. Une pièce de Triforce par heure, on était bien. Je vais commencer par le haut. Bon, après, malheureusement... Alors, si c'est ça, par exemple... C'est un ocarina du temps. Ça doit être ça qui est sur le chemin. Ça doit être ça. Bon.
parce que je m'arrête là du coup. Et bon, ah non, vas-y, je vais quand même explorer le temple de l'eau. Je vais pas me dire. Bon, après, si ça se trouve, il y a un truc. Il y a pas qu'un truc, si ça se trouve ici. Ce grappin là, donnez-moi le long shot s'il vous plaît, là. J'en ai besoin. Tu peux pas le prendre avec ce grappin? Non, non, il est trop petit. Il est trop petit. Faudrait que je trouve l'autre grappin. Et du coup, s'il me donne l'ocarina du temps, ça veut donc dire que... Donc il y a moyen que le truc soit terminé en fait. Non mais c'est le même. Celui de Majora et d'Ocarina c'est le même. C'est juste que en fait l'Ocarina des Fées il peut pas l'avoir. Majora, donc du coup. Bon, après bah, il me faudrait des indices, du coup. Bon, après j'ai pas fait du tout les pierres à potins de Majora, donc. C'est Majora qui va me guider après. Enfin, je dis ça, mais techniquement, il me reste toujours le cratère du péril aussi. Donc, ce qu'il me faudrait maintenant, c'est... Ah, il y a ça aussi, là, finalement. Là, on enchaîne bien aussi. Ah, là, ici, il y a un truc. Je disais, ouais, là, il me faut... Enfin, il me faudrait la masse des titans pour retourner au monde du péril, en fait. Ouais, non, mais là, on commence à vraiment gagner des trucs vraiment bien là pour Majora, donc finalement, ouais. 100%... 100% Majora... 100% le truc est chez Majora, là, je pense. Mais bon, d'un côté, je dis ça, mais d'un côté, après, t'as un milliard d'indices qui te font faire des trucs dans Ocarina of Time pour finalement que t'as juste acheté la Triforce du Courage chez le marchand de Majora. Donc, je sais pas, en fait. Je peux pas faire grand-chose dans Majora sans épée. Bah, en fait, l'épée est pas un problème. L'épée est vraiment pas un problème dans Majora. Là, le seul problème que j'ai avec le fait que j'ai pas d'épée, c'est que je peux pas me TP dans Majora, en fait. Et... Mais je sais où il y a une épée, en fait, quand même. Par contre, faudrait que je m'en souvienne. Mais je sais où il y a une épée, en théorie. Faudrait juste que vraiment que je me souvienne où est-ce qu'elle est, cette épée. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Juste, je trouve.
Franchement, là, je si j'en suis une petite logique, faudrait si c'était l'épée des grandes fées, mais l'épée des grandes fées suffit pour activer des statues. Enfin, n'importe quelle épée suffit. C'est-à-dire si j'en suis la logique, je pense que là, ce qu'il faudrait que faut vraiment que j'obtienne la masse des titans. En fait, il faudrait que j'obtienne la masse des titans, puis ensuite j'obtiens le champ. L'Ocarina, enfin l'Ocarina ici. Et après, je pense qu'en fait, j'ai fini pour Ocarina of Time. En fait, j'aurais plus besoin d'y aller. Je pense que tout le reste sera chez, tout le reste sera chez Majora en fait. Mais là, je me dis, vas-y, il y a peut-être moyen que je récupère des objets, entre guillemets, quand même. Pour, bah, genre une épée, par exemple. Peut-être que je peux avoir une épée ici. Alors, je pourrais revenir plus tard, mais... Parce que je pense vraiment que, genre, le donjon... Enfin, sauf s'il se trouve d'autres indices, éventuellement. Mais je pense que là, vraiment, Ocarina of Time, il a bientôt terminé, en fait. Mais bon, faut vraiment que je... Après, bon... Oui, si, je dois trouver le long shot, puis ensuite, je trouve l'Ocarina, et c'est bon. Enfin, je sais où est l'Ocarina. Mais le long shot... Je me dis que c'est probablement la grande fée qu'il a de... du cratère. Ou l'épaisse marchande. Donc du coup, il me faudrait masse des titans, puis ensuite Longshot, puis ensuite Ocarina, et puis là, Ocarina est fini. Après bon, je me trompe peut-être. Je sais que t'as donné quoi au cratère? Un truc nul. C'était nul. Mais c'est pour ça, là. Il y a un truc à récupérer dans le cratère, mais je ne l'ai pas encore récupéré. Il avait l'air de me dire que le truc du haricot, c'était un... C'était des bombes. Le quart de cœur que j'ai pas ramassé, c'était des noix bojo, donc je pense vraiment que... Je pense vraiment que bah, c'est la masse du titan. Après, je dis ça, je dis que c'est terminé pour Ocarina of Time, mais c'est peut-être faux parce que peut-être qu'au final, il me faut des. Des sculptulators. Ah mais c'est trop bien, en plus j'ai un Nocturne of Shadow en fait. Ouais, c'est vrai que ça aussi ça pourrait être le pire en fait, hein, vraiment que je dois ramasser toutes les fées. Et finalement là Ocarina of Time il est pas fini.
Il y a une chance que tu rencontres des ice traps, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, en fait. Après, il y en a peut-être genre 3 ou 4, mais... Vu qu'il y a tellement de checks, j'imagine que c'est... C'est trop rare, en fait. Après, il y a peut-être une fonctionnalité, quand même, pour ajouter des ice traps plutôt que des rubis bleus. Bah, surtout que là, il doit avoir pas mal de rubis bleus qui ont été rajoutés, parce que... Étant donné que j'ai lié tous les objets d'Ocarina of Time et Majora's Mask, bah ça veut dire que... Bah genre il y a peut-être un grappin de moins par exemple. Bah je sais pas à quel point... À mon avis il doit y avoir un grappin de moins. À mon avis il y a un grappin de moins, il y a... Il y a trois arcs en moins. Il y a un Ocarina en moins du coup. Je crois pas qu'il y ait de ice trap, au pire je peux aller voir. Si je cherche, ok. Ouais, je crois qu'il y en a pas effectivement. J'ai pas l'air de pouvoir en mettre des ice trap. Donc ouais, non, il n'y a pas l'air d'avoir du tout de ice trap. Allez. Faisons-nous du mal là, qu'est-ce qu'il a lui? Des graines, ok, ça va. Ah, c'est sûr que bon, je comprends l'enthousiasme des ice traps parce que le dernier rando d'Ocarina of Time avec les sculptulators là, c'était pas mal. C'est pratique, je pourrais revenir dans Majora's Mask un peu plus rapidement du coup. Parlant de Ice Trap, des gens en ont créé dans The Wind Waker. Ah ouais? Si l'Ocarina avait été un Ice Trap, ça aurait été horriblement hilarant. Ah c'est vrai, hein, là toute ma stratégie qui tombe à l'eau en mode oui, faut que je fasse ça, blablabla. Non. Ah, encore un gros coffre. Ah bah décidément, finalement, en fait. Ah finalement, les proportions... Ah, les choses changent, en fait. Ah, finalement, là... Est-ce que je reste sur mon idée de base, finalement, là? Ok. Ah,
travailler d'un côté. Non, c'est sûr, c'est dans Majora. C'est sûr, c'est dans Majora. Non, mais c'est sûr, c'est dans Majora. Ok, ça c'était nul. Bon, vas-y. On a fini le donjon, je crois. Ah oui, il reste. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Bon bah finalement. Donc là on devrait. Ah finalement. Ouais non je sais pas en fait. Bah écoutez, tout dépend de ce qu'on va gagner ici. Finalement. Tout dépend de ce qu'on va gagner ici. Mais peut-être que ça sera pas pour Majora. Mais c'est pour Majora, c'est sûr. De toute façon c'est pour Majora, c'est sûr. Quand même, en fait, j'ai dit ça, mais. Et finalement, c'est peut-être pas fini pour Ocarina of Time. Il y a peut-être moyen que je gagne autre chose ici qui me forcerait éventuellement à aller à... Ah mais il y a une pierre à potin ici, faudrait que j'aille la lire. Ouais j'avoue là, aucune pierre à potin qui me dit oui sur le chemin du courage Clock Town hein. Non non ça par contre c'est un non. Alors, Piece of Art, ok. Alors, est-ce que vous allez me vendre un objet utile? Ah bah oui, les quarts de cœur. All Night Mask. Ouais, peut-être ça. Parce que ça fait deux checks quand même, ça. Ah bah non. Ah bah voilà. Donc attendez, là on reste sur le truc, Longshot, Ocarina, Longshot et puis Majora là finalement. Peut-être qu'on doit se servir du Night Mask, peut-être que... Ah attendez, Night Mask du coup. Finalement ce serait peut-être le Night Mask qui ouvrirait des trucs. C'est vrai que sur le coup il n'y a pas forcément songé. Bon, elle, elle a rien donné, donc ok. Donc c'est, ouais, ok. Donc le, l'objet important d'ici, c'est soit le Night Mask, soit, soit le l'Ocarina, soit le Hookshot. Mais... Ah, j'ai envie de dire, je pense que c'est le Longshot, quand même. Du coup, ça serait pas le Night Mask. Mais d'un côté, en fait, si je fais ça, ça voudrait peut-être dire que... Ah non, peut-être pas, en fait. Peut-être que l'objet important, c'est bien le Night Mask. Et du coup, en fait, c'était plutôt... Il faut faire plutôt dans la suite logique. Il faut peut-être aller ici en dernier, en fait. Et du coup, pour gagner le Night Mask... Ah, mais, et donc, du coup, en fait, il fallait faire le temple de l'eau. Hyrule Market! Ok. 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 Longshot est nécessaire pour Ocarina qui est nécessaire pour entrer dans Termina logiquement. Bah et on n'a pas besoin d'Ocarina pour entrer dans Termina en théorie. Bon on retourne du coup. Ah, 3h25 là, c'est pas bon, c'est pas bon.
On était bien, on était bien, on était sur une bonne... On était sur une bonne lancée, là. Un morceau par heure. Hyrule Market. Mais d'un côté, Hyrule Market, il y avait tellement de trucs que du coup... que ça pouvait être n'importe quoi, finalement. Bah ouais, non, mais le dernier morceau de Triforce sera peut-être derrière les comptes de ma vie, effectivement. Alors, de toute façon, j'ai un plan pour Majora. Je vais faire les... Enfin, je sais pas combien de temps il me reste, en fait, mais... Mais non, je dois aller... Du coup, là, ce que je vais faire, là, je vais faire ça, je vais faire les comptes de mamie, je vais aller voir Skull Kid, je vais remonter le temps, et puis on réfléchira au plan d'action pour Termina. En essayant de voir s'il n'y a pas des indices, mais j'avoue que la localisation des pierres à potins de Majora, je la connais pas, donc... Mais allez, vas-y, on va espérer, là, mamie, il faut que mamie, elle donne, Il faut que mamie, elle donne. On compte sur toi, mamie. Ah non, faut que je remonte le... Je serai la princesse Zelda de Termina. Salut Linktest, merci d'être passé. Ah mais j'avoue que du coup c'est obligatoire là, versus Zelda en fait, pour ce donjon. Bon, allez, juste pour la forme, on va aller voir quand même s'il n'y a pas un autre objet intéressant là-bas. Je crois que c'était à la Great Bay qu'il y avait... Ah mince, je me suis tombé. C'est vraiment ma pire déception dans Master Quest, et pourtant il n'y en a pas qu'une. Ah ouais? Bon, il change pas tant que ça, je crois, dans Master Quest, justement. Bon, allez. Moment de vérité, finalement. Ah, mais si on reste sur une par heure, on a juste été un peu plus lent pour le coup, et... Et voilà, c'est bon.
Bon, ça va, il est pas si tard, donc... Pire, c'est le temps, reste ton petit feu, genre très rapidement, tu ramasses des titans à la grande clé. Ah ouais, non, mais incroyable, hein, le tempo de... Est-ce que c'est minuit que j'entends? Oui, c'est minuit. On l'entend de en bas? Mais oui, on l'entend d'en bas. Ok. Il est super rapide en jeu. On comptait sur toi, mamie. Ouais, non, mais là, j'avoue que... J'avoue que, finalement... Donc, c'était pas le masque, hein, qui... On va retourner dans le passé. Juste aller récupérer le super item de Skull Kid. Que je ne récupère. Quoi? Mais qui bah. Alors, habillons-nous bien pour la fin. Ce que je vais mettre de beau. Attendez, je vais récupérer un petit truc. Histoire de dire que ce machin, on n'a pas rien fait dedans. Ouais, fiche pour OT, il va être content. Voilà. Poisson, j'adore manger du poisson. Ouais, bah voilà, on est bon. Alors, donne-moi mon ocarina, toi. Qu'est-ce que tu vas me donner de beau? Mais n'importe quoi! Mais n'importe quoi! Mais attendez! Mais n'importe quoi! Mais attendez! Mais c'est quoi tous ces indices qui servent à rien en fait? Mais rien sert! Mais rien ne fait. Mais y'a rien à faire dans cette seed! Quand même! C'est très important. Pourquoi j'ai gagné des bons chus? Ah, c'est le chant du temps, les bons chus. Mais j'ai gagné l'ocarina du temps et le chant du temps. Ok, ok. Mais attends, mais cette seed est nulle! Mais attendez, cette seed, elle est finissable en 10 minutes! Non mais cette seed est finissable en... Allez, j'abuse, 10 minutes, 30 minutes. Voilà, 30 minutes, tu finis la seed. Hein.
Tu vas poster la rediff du coup? Ah bah oui, t'as quand même. C'est quand même meilleur site Ocarina of Time X Majora's Mask que vous verrez jamais de votre vie. Hein. Franchement, une site qui est finissable en 30 minutes, je sais pas moi. Mais absolument, absolument aucun indice est utile à part ceux du temple de. À part ceux du chemin de la sagesse. La logique demande d'Ocarina du Temps et le champ du temps pour entrer dans le Termina. D'où les indices. Bon, je pense que Dami a failli aller voir Skull Kid il y a 1h30. Mais le pire, c'est que je voulais voir un truc, en fait. Je voulais voir un truc, je me disais. Qu'est-ce qui se passe si je meurs? Si j'ai game over? Alors que... Enfin, j'avais sauvegardé avant, quand même. Mais je me demandais qu'est-ce qui se passait, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon... Ouais, mais tant pis, j'ai pas assez de bombes chutes pour passer à travers, donc je me suis dit, et j'ai la flemme d'attendre. J'aurais pu attendre, c'est vrai que j'aurais pu attendre. Bon, bah très bien. Ah, très bien, très bien. Bah, en tout cas, voilà, c'était Ocarina of Time X Majora's Mask, la quête de la Triforce. J'espère que cette suite... d'indices vous a plu, cette chasse aux indices, là, attends, comment ça s'appelle, la course d'observation vous a plu, j'espère en tout cas, voilà, parce que c'était rigolo quand même, quelque part. Des indices, c'était des dépliants touristiques pour visiter les temples d'Hyrule. En vérité, vraiment, tu vas vite, hein. Tu vas acheter vite fait la Skeleton Key au bazar, ensuite, il faut juste aller au temple de la forêt, hein. Il faut juste l'arc. Il faut juste l'arc. Ah non, il faut l'ocarina, le chant du temps quand même. Faut un ocarina, le chant du temps. Je sais plus où j'ai eu le premier ocarina, j'avoue. Je sais plus du tout où j'ai eu le premier ocarina. En vérité, il faut le titre de terre pour aller voir Skull Kid. Au théâtre. Ah d'accord, je vois. Donc il fallait le Skull Mask. Mais non, j'ai pas besoin de l'épée de légende, j'en ai même pas besoin, parce que j'ai même, l'épée de légende ne sert à rien, en fait. Donc il faut le Skull Mask, et pour avoir le Skull Mask, il fallait quoi? Attends, j'essaie de me souvenir. Je sais plus où je l'ai eu, le Skull Mask. Non, on n'en a pas besoin pour passer adulte. En fait, tu peux devenir adulte, mais pas avoir d'épée en contrepartie. C'est le seul truc. On est d'accord qu'au final, le temple de l'eau a été inutile. Bah, le temple de l'eau n'a pas été inutile dans le sens qu'il a servi à avoir l'ocarina du temps pour que Majora's Mask puisse survivre au cas où tu te perds dans Majora's Mask. Mais le jeu considère effectivement que tant que t'as pas l'ocarina du temps et le chant du temps, Majora's Mask, il est pas faisable. Sur la plaine d'Hyrule. Ah, c'était sur la plaine d'Hyrule. Je croyais que c'était un hookshot que j'avais eu sur la plaine d'Hyrule. Ah si, c'est bon, je me souviens. Ok, je me souviens. Donc il faut un sac de bombes pour aller dans la rivière Zora pour récupérer le Skull Mask. Le Skull Mask qu'on va récupérer pour ensuite aller récupérer l'ocarina dans le machin, là. Ensuite, il faut aller chercher le hookshot dans la plaine. Et ensuite, il faut retourner dans le château d'Hyrule. Dans le château d'Hyrule de nuit, où il faut ramener le chien à la madame pour qu'elle te donne l'ocarina le chant du temps. Ensuite, tu peux jouer le chant du temps, devenir adulte, foncer au temple de la forêt, battre juste le fantôme bleu. Ensuite, une fois que tu as battu le fantôme bleu, tu vas dans Majora, t'achètes le morceau de Triforce du courage. Et ensuite, t'attends minuit. Le troisième jour et c'est bon, t'as fini. J'espère que tu feras un speedrun de cette même seed. Mais attendez, mais je suis limite tenté à un moment de le faire, hein, effectivement. Faut que je la garde cette seed et on essaye. Hein. On essaye. On essaye de... On essaye de la finir au moins d'une demi-heure. Voilà. C'est dit. Je la garde en tête pour un moment. Et on se tente le speedrun de cette seed.
Non mais franchement, voilà. Non mais vraiment, là, ouais, il faut speedrunner cette seed. C'est une obligation en fait. C'est une obligation. Donc voilà, je la garde. Et on la tentera. Hein. Parce que là, le PB de 3h40, c'est pas possible. Mais du coup, pour un speedrun, j'avoue que je suis quand même en train de me poser la question de si je devrais quand même pas aller quand même chercher l'épée de légende, parce que pour se battre contre les Stalfos, ça irait quand même 20 millions de fois plus vite. Donc je pense quand même que j'irai chercher l'épée de légende. Parce qu'en plus, elle est pas très loin. Ah, d'un côté... Faudrait en tenter deux. Faudrait en tenter sans et avec, en fait. C'était où les deux autres morceaux de Triforce? Le premier morceau de Triforce était celui du courage était au vendeur de bombes de Majora's Mask. Le morceau de la sagesse était chez le fantôme bleu du temple de la forêt. Et le Triforce de la force était sur Skull Kid. Finalement la théorie elle revient là, Majora fils de Ganondorf. Ah non mais la boucle est bouclée en fait. Meilleur seed, voilà, j'ai rien à dire en fait. Meilleur seed. C'est cette seed qui finalement valide toutes les théories du monde sur Zelda. Elle est vraie. T'aimes bien comment on a les crédits de Majora alors qu'on n'a rien fait dessus. Ah oh là là. Non mais Majora frimeur jusqu'au bout. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce stream. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez trouvé ça amusant de voir une chasse à la Triforce. Regardez ce lieu magnifique, n'est-ce pas? Ah, oh, puis en plus, comment on a bien aidé. La théorie des 20 masques nécessaires pour une Triforce tombe malheureusement à l'eau. Ouais, non, mais ça sera pour une prochaine fois, ça. Ça sera pour une prochaine fois où on aura la seed la plus méchante du monde. Oh, la seed la plus méchante du monde. Bref, bah du coup, je vais vous laisser ici. Hein. C'était sympathique, c'était rigolo. Puis bon, voilà, ça donne envie d'aller se venger de cette seed là. Donc voilà, on se retrouve un autre jour pour un autre stream et plus tard pour le speedrun de cette seed. Bref, je vous dis. Bonne nuit à tous, bon appétit, mangez bien, et puis... À plus tard tout le monde !